Super, bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième émission de la série Tout sur l'hypnose spirituelle. Mon nom est Jean-Charles Chabot, je suis le fondateur de l'Institut international d'hypnose spirituelle et aujourd'hui je suis accompagné de la psychanalyste Isabelle Hedlin qui est la formatrice de notre niveau 3 d'hypnose spirituelle de régression. Merci d'être là Isabelle aujourd'hui. Merci, merci à toi. Donc aujourd'hui on va parler... Pour ceux qui ont participé à nos dernières rencontres, le fonctionnement, c'est dans un premier temps, on partage des contenus. Si vous avez des questions sur les contenus sur lesquels on partage, vous pouvez les écrire dans les commentaires. D'ailleurs, je vais les faire apparaître ici. Tout le temps, la petite publication sur les étoiles. On ne veut pas d'étoiles, hein, c'est juste comme ça. Donc, c'est ça, dans la première partie... On présente du contenu. Si vous avez des questions sur le contenu, vous pouvez les marquer dans les commentaires pour vous y répondre. Si vous avez des questions autres que ce dont qu'est-ce qu'on aborde, gardez-les pour la fin, puis on va les aborder à ce moment-là. Donc, de façon générale, on va commencer par parler aujourd'hui un petit peu de qu'est-ce que ça change dans la vie d'un praticien de faire ce type de travail-là. Tu sais, autant pour moi, je vais poser la question également pour Isabelle, puis on va réfléchir ou partager. En tant que praticien, c'est quoi les avantages? Et aussi, dans un deuxième temps, on va parler de quelque chose que, selon moi, on ne parle pas assez souvent ou ce n'est pas quelque chose que je dirais quand on veut suivre une formation, on porte attention tant que ça. C'est comment est-ce que le processus de changement fonctionne? Hein? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que le client, le patient peut se transformer, peut changer exactement dans la façon qu'on travaille à l'Institut international d'hypnose spirituelle, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de façons de travailler et ce n'est pas toujours les mêmes façons de travailler qui mènent aux mêmes résultats. Donc, on va parler de notre approche aujourd'hui. Donc, allons-y. Donc, pour commencer, Isabelle, je pense que si tu veux prendre un petit moment, juste pour ceux qui ne connaissent pas encore, un petit peu résumer ton parcours. Oui, bien sûr. Merci, Jean-Charles. Alors, mon parcours, je suis venue à la psychanalyse par passion, par vraiment à la fois un besoin personnel de cheminer, de progresser. Il y avait quand même vraiment un appel important à travailler sur moi, quelque chose de fort. Je pense que je n'aurais pas pu faire autrement. Et donc, j'ai consulté pendant des années. Et pendant mon analyse, mon psychanalyste est venu à m'amener cette possibilité-là que j'aille vers la psychanalyse moi-même en tant que thérapeute. Spontanément, je pense que c'était une évidence et j'aurais pas osé, je crois. Donc, c'était bien qu'il m'invite à aller vers ça. Donc, je me suis formée. Et vraiment, ce que j'ai reçu de mon psychanalyste et puis de sa manière de travailler. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ont des idées sur la psychanalyse. Il y a plein de courants de pensée, plein de façons de vivre les thérapies. La psychanalyse dans le courant de pensée dans lequel j'ai été formée, c'est kleinien ou winnicottien, avec un vrai souhait d'unir dans une seule et même force ce qui paraît opposé, donc les forces d'amour et de haine qui paraissent opposées. Et en fait, dans la manière dont on m'a enseigné la possibilité de réconcilier notre être, c'était d'y placer l'amour au centre. Donc, c'est drôle parce que quand on regarde la spiritualité, c'est très en lien. Il y a vraiment l'essentiel, je l'ai gardé. Ouais. Et puis, j'ai ouvert plus mon champ de conscience. Mais l'essentiel est le même, être vrai, sincère, authentique, vraiment travailler avec la clarté. Et j'ai eu un psychanalyste très, très exigeant, très juste, très dur, mais très juste. Et j'aime cette exigence de clarté et de sincérité que tout le monde n'a pas. Il y a des gens qui vont travailler avec d'autres façons de faire, qui vont peut-être beaucoup plus arrondir, mais pas aller forcément dans la totale sincérité. Moi, j'ai été formée avec vraiment une transparence totale, une sincérité totale, et ça m'a parlé. Ça parle à mon être tout court. Donc, c'est vraiment ce qui m'a plu, de pouvoir voir clair. Ça change tout. Et en cheminant, j'ai vraiment senti que y avait un appel évident à pouvoir être utile de cette manière-là, chercher à être utile de plein de façons, de bénévolement ou autre, mais là, ça réunissait tout ce qui me plaisait. Donc, j'ai travaillé depuis 2005 en cabinet à La Rochelle et à la longue est venue en moi l'envie de, quelque part, d'aider plus de gens en moins de temps. Mais ce n'est pas possible avec la psychanalyse et puis avec l'emploi du temps que j'avais en vrai, ce n'était pas possible. Et
c'était venu comme ça, mais j'avais rien de concret autour. J'avais juste envie de pouvoir apporter plus à plus de gens. Et puis, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont amené un intérêt que j'avais mis de côté par rapport à une ouverture spirituelle. Et j'ai commencé à avoir des doutes en me disant, mais si ça se trouve, parce que moi, ça me suffisait de me dire qu'il y avait quelque part, peut-être une continuité d'amour, peut-être une énorme force qui continuait au-delà, mais quelque part, la compréhension au niveau de l'inconscient apportait suffisamment d'explications pour moi pour pas que je pousse au-delà. Et il est venu en moi vraiment une sorte d'insistance à vouloir avoir plus d'informations, comme j'ai senti que c'était vérifiable. Et quelqu'un m'a dit des choses qui sont venues me réveiller à cet endroit-là en me disant « mais on m'a déjà dit la même chose il y a 20 ans, est-ce que ça serait vrai? Est-ce que ça serait vérifiable ?» Et là, m'est venue vraiment une envie d'approfondir et d'aller chercher plus d'informations moi-même. Je me suis dit que si ça existait, on pouvait le vérifier soi-même. Et donc, j'ai cherché de plein de façons différentes. J'ai eu mes preuves, mes évidences. Et j'ai bien vu qu'il m'en fallait plus, dans le sens où, c'est bien, mais c'est quoi alors? Et très vite, j'ai senti qu'il y avait un appel autour des vies antérieures. Pour moi, c'était un chemin, en fait. Il y a plein de chemins, ils sont tous passionnants. Et puis, il y en a un qui va résonner plus que d'autres. Et pour moi, le jour où j'ai entendu à une conférence... dans ce livre-là, il parle des vies antérieures et de ce qui se passe de l'autre côté du voile. Waouh, moi, j'ai voulu savoir c'est quoi ce livre. C'était Michael Newton. Et en le lisant, j'étais là, oh là là là, ben c'est ça. Moi, je veux absolument explorer ça. Et même entre le moment où j'avais très envie d'explorer et le temps où j'y suis allée, évidemment, ça a pris un petit temps. Et en explorant, moi-même, en faisant l'expérience, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Mais au début, je ne voulais pas forcément... moi, me former. Je voulais juste vivre mes expériences et puis adresser éventuellement mes patients à quelqu'un qui serait formé. Et puis voilà. Puis moi, je pensais que tout droit comme ça, ça allait être la psychanalyse jusqu'au bout, hein, sans forcément changer quoi que ce soit. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé. La personne à qui je pensais, qui aurait pu prendre le relais, n'a pas du tout voulu. De cela, bon, je sais pas du tout. Et là, je me suis dit, OK, donc c'est juste fabuleux. Et il y a personne à qui je puisse adresser mes patients pour qu'ils fassent cette expérience. Bon, alors, à défaut, je vais aller me former. Donc, je suis venue à défaut en me disant, est-ce que je serais capable? Toujours cette interrogation, est-ce que je serais capable de me former à ça? Bon. Et puis, en fait, ça m'a passionnée, quoi. Donc, après, évidemment, ça m'a passionnée, et puis j'y suis allée à fond, et comme tout ce que j'ai pu aimer, et voilà. Et puis, je l'ai proposé très rapidement à mes patients, et puis, ça, forcément... la manière dont j'en parle souvent, ça donne envie au moins d'essayer. Et puis, ils ont confiance en moi aussi. Et puis, on a voyagé comme ça avec beaucoup de personnes qui ont accepté de me faire confiance. Et ça, aujourd'hui, tout est différent dans ma manière de travailler. Pourtant, l'essentiel est le même. Mon souhait d'apporter la sincérité et la clarté. Surtout la clarté. D'ailleurs, vraiment, c'est l'essence de mon travail. Il faut vraiment comprendre, quand on travaille sur soi, on aime le sincère, l'authentique. C'est pas se raconter des choses, c'est pas se flatter, c'est pas se dire qu'on est encore mieux que je sais pas quoi. C'est vraiment pas ça. Travailler sur soi et encore plus avec le monde de l'esprit, c'est aimer le sincère, l'authentique, la clarté de la transparence. Et c'est pas quelque chose qui est cultivé quand on regarde. Hein. Les gens lissent énormément leur façon d'être, veulent modifier, montrer des choses qui sont pas tout à fait vraies. C'est tout l'inverse, le travail qu'on fait. On va dans le vrai, l'authentique, le sincère, on arrête de se mentir. C'est aimer voir là où on se ment. C'est extraordinairement intéressant. Ouais. Et peut-être qu'on peut enchaîner justement. Qu'est-ce que tu dirais que toi, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est échanger à tour de rôle un petit peu. Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie de faire cette pratique-là? Tu dirais, toi, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça a tout. Ouais, tout. À part mon souhait d'apporter mon aide, maintenant j'ai la conscience de pouvoir apporter mon aide de manière plus vaste encore. Mais ça a tout changé. Mon regard est différent, ma façon d'être est différente. Ma communication avec le monde de l'esprit aussi est différente. Maintenant j'ai vraiment un lien étroit dans la possibilité d'être enseignée directement de l'intérieur. Ce que avant j'allais chercher en séance auprès de quelqu'un, éventuellement, maintenant c'est pas à l'extérieur que j'irai le chercher, c'est à l'intérieur. Donc ça me permet aussi de transmettre ça, la possibilité de communiquer directement avec le monde de l'esprit, avec une vraie communication, pas ce qu'on peut se fabriquer en se disant « je parle à mon guide, il me trouve une place de voiture », pas dans cette idée-là vraiment, hein, c'est dans une idée de recevoir des enseignements qui sont aidants pour soi et pour les autres,
et qui nous aide à nous bonifier. Principalement, c'est ça, en vrai. Ouais, ouais. Ça permet de voir l'amour au-delà des difficultés. Ça change vraiment le regard. Ouais. Et personnellement, moi, puis je pense qu'on on en parle de temps en temps, puis même les praticiens qui font ce type de travail-là, c'est combien c'est gratifiant, c'est nourrissant de faire ce type d'accompagnement-là, comparativement des fois à d'autres formes d'accompagnement, parce que il faut savoir que quand les gens sont en hypnose spirituelle de régression, quand ils sont en connexion, bon, dans une vie antérieure, c'est une chose, mais quand ils sont en connexion avec leur guide et qu'ils reçoivent des enseignements, bien, c'est hyper nourrissant, ça, c'est quelque chose qui... c'est ça qu'on peut apprendre beaucoup de ça, puis qui amène quelque chose dans notre vie. Moi, c'est vraiment... je ne sais pas, toi, justement, dans ta pratique psychanalyste, des fois, je me disais, ça peut peut-être être lourd. J'ai l'impression que ça doit apporter de la légèreté dans le processus connecté avec le monde de l'esprit, d'une certaine façon, non? Moi, je n'ai jamais eu l'impression que mon travail était lourd. Non? OK. moi, ça m'a... Enfin, vraiment jamais. Jamais, quoi. Okay. Parce que j'ai une façon de travailler qui est particulière. Ouais. Parce que j'avais discuté, il y avait des personnes qui prenaient les formations auparavant, puis il y avait des psys qui disaient, mon Dieu, des fois, j'ai des cas lourds à chaque jour, puis ils retournent chez eux le soir, puis c'est... Puis là, ils disaient qu'en faisant l'hypnose spirituelle de régression, ça ajoute une autre dimension, puis on n'est pas dans... Mais effectivement, ça dépend de la façon dont on travaille. Ça dépend de la personne et ça dépend de notre regard. C'est-à-dire, si on regarde à travers la pensée dynamique, c'est-à-dire on regarde où est le potentiel de la personne pour réagir différemment, c'est passionnant. Si on regarde la peine et qu'on plaint l'autre, c'est sûr, on va être lourd après. Mais moi, je ne plains personne. Je sais que ce qu'on vit, on peut le vivre et que ça va nous renforcer. Donc, j'ai pas de plainte à faire pour quelqu'un. Ça serait m'imaginer supérieur à quelqu'un et me dire, oh, le pauvre. Non, je pense que ce qu'on vit, on peut le vivre, mais on peut le vivre mieux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir comment la personne va utiliser ses ressources pour vivre bien. Mais donc, je n'ai jamais eu une journée lourde à la fin. Non, ce n'est pas comme ça que je travaille. Mais je comprends que certaines personnes travaillent comme ça, c'est vrai. Et c'est vrai que ce qu'il y a de gratifiant avec l'hypnose spirituelle, c'est que les enseignements viennent de l'intérieur avec une grande dose d'amour qui dilate le cœur et qui fait que la personne, parce que son cœur est dilaté, peut entendre qu'elle a exagéré à fond. Elle le prend bien. Là où nous, quand nous, on leur dit, ils ne le prennent pas toujours bien. Mais par contre, quand ils l'entendent de l'intérieur, ils le prennent quand même mieux. Ou pas, hein, quelquefois. Mais ce qui aide, c'est que c'est la force d'amour, de dilatation du cœur, en fait. Quand le cœur est vraiment dilaté, on est content, c'est terrible à dire, mais on est content de voir là où on a exagéré. Ça a l'air paradoxal et ça ne l'est pas du tout quand on le vit, on trouve ça logique. Voilà. Mais quand on travaille sur soi et qu'on aime travailler sur soi, on a le même plaisir. Donc, c'est vrai que l'hypnose spirituelle est particulière sur plein d'aspects. Mais quand on prend plaisir à travailler sur soi, on a quand même cette ambiance. Après, ça dépend comment chacun travaille, évidemment. Ouais. Mais quand tu dis ce qui te marque, c'est la connexion à l'enseignement sage, il faut voir que vraiment, plus on travaille, et c'est pour ça que j'utilise sur le multiséance, ma façon de travailler, c'est évidemment dans l'approfondissement, on obtient cette qualité de communication directe en dehors des séances. C'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire obtenir une capacité de connexion interne au même niveau de clarté que si on est en séance avec quelqu'un. Vous imaginez bien tous intérieurement ce que ça donne que d'être autonome et de ne plus avoir besoin d'un thérapeute parce que les thérapeutes sont au-dedans. On les connecte directement de l'intérieur. Et en fait, ce dont on a besoin et qu'on va chercher constamment en quête à l'extérieur, c'est juste ça à la base. On a besoin d'un éclaircissement sage et aimant. Allons le chercher à l'intérieur. Ouais. Mais ça, en fait, il faut activer le plus possible ces sas-là de communication. Et une fois qu'on l'a suffisamment activé et qu'on a suffisamment de clarté pour pouvoir avoir un discernement sur ce qu'on a connecté en soi, parce que, évidemment, au tout début, on apprend à connecter. Ce qu'on arrive à connecter n'est pas aussi approfondi, n'est pas aussi clair que quand on a cheminé déjà pendant un temps, recevant des enseignements, et puis nos filtres, parce qu'évidemment, nos peurs, ça filtre. Il y a des choses, on ne va pas les voir parce qu'on a peur, parce qu'on va juger. Alors du coup, on ne va pas avoir un rôle qu'on pourrait avoir. Le nombre de fois que j'ai vu dans des séances des personnes qui se plaçaient dans le rôle, on va dire, qui était arrangeant pour eux, alors qu'ils étaient de l'autre côté et qui me l'ont dit plus tard en disant « Non, en fait, je n'étais pas dans ce rôle-là, mais je ne pouvais pas le dire. » Donc, on voit que le filtre des premières séances peut, pas tous, évidemment, il y a plein de gens qui vont dire spontanément comme ça, mais pour certains, il peut y avoir un filtre qui, parce qu'ils auront peur de voir certaines choses qui peuvent être difficiles. Voilà. Donc, chacun y entre à sa façon et puis
D'autres, au contraire, n'auront aucun jugement, ils vont y aller à fond, ils vont être ravis dès la première séance. Donc chacun, dans sa, voilà, dans sa façon d'être, va exprimer ses possibilités. Par contre, tous ceux qui progressent et qui continuent ouvrent leur conscience et sont capables d'aller regarder ce qu'ils auraient jugé comme quelque chose en fait de juste logique, normal, dans une sorte de mouvement d'incarnation en incarnation qui fait qu'on apprend de part et d'autre dans toutes les situations. Et ça enlève les jugements réellement, pas artificiellement, je ne juge pas, mais je me sens différent. Non, on est tous pareils, on a tous vécu tout, et qu'on a tous fait ce qu'on pouvait, et maintenant, on doit faire la paix avec tout ça. Ouais. Super, on va enchaîner avec... Oups, mon truc ici. Je pense que ça pourrait être intéressant justement de clarifier aussi c'est que bon, l'hypnose spirituelle de régression, de la façon qu'on la travaille, c'est une approche qui est à la fois thérapeutique et évolutive, puis ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que ça serait important de clarifier davantage c'est quoi les différences, parce qu'on a discuté comme de quoi l'approche thérapeutique, de façon générale, c'est comme une approche à quelque part de homéostatique, de retour à l'équilibre. Hein, c'est comme si la personne ne va pas bien, elle va aller voir quelqu'un pour aller bien à nouveau, pour pouvoir fonctionner en société, fonctionner dans sa vie. Donc ça, c'est une approche plus thérapeutique dans sa définition de base, mais l'approche évolutive, c'est plus que ça. Peux-tu nous parler, toi, dans ta compréhension, comment tu le vois, ce plus que cela? Oui. Dans beaucoup quand même de travail sur soi, il y a une approche thérapeutique et évolutive, mais c'est au niveau du paradigme. On ne va pas travailler sur le même endroit en fait. Hein. En psychanalyse par exemple, on peut y aller juste pour aller bien parce qu'on avait un symptôme, donc dans une démarche, on va dire thérapeutique, on veut se soigner, on a un symptôme, on veut aller mieux, et quand on va mieux, on a plus de mal à continuer à travailler sur soi. Il y en a qui vont venir pour travailler vraiment sur eux, c'est-à-dire au-delà de leurs symptômes, ce n'est pas le sujet, ils ont envie d'approfondir, ils ont envie de clarté, de mieux se comprendre, quelquefois ou même souvent, d'être plus honnête en fait, d'être plus lucide. Donc là, pour le coup, on peut y aller vraiment. C'est ouais. Des gens qui en veulent et qui veulent de la sincérité et qui peuvent vraiment faire un long bout de chemin. Là, on est sur vraiment quelque chose d'évolutif. Mais tant qu'on est sur une compréhension horizontale de la vie, il y a des sortes de murs qu'on ne peut pas franchir. C'est-à-dire, notre vue physique nous le dit. Si on regarde à hauteur d'homme, on ne verra jamais certaines choses. Mais si on élève notre conscience avec une verticalité de compréhension, évidemment, des choses deviennent évidentes et elles apparaissent à nos yeux. Eh bien, l'ouverture spirituelle, c'est la même chose. C'est-à-dire, tant qu'on est sur une horizontalité de compréhension, eh bien, on va quand même se prendre pas mal de murs et on va pas mal se perdre. Parce qu'on n'a pas une vue suffisante pour voir avec cet angle-là qui permet de mieux comprendre les défis des incarnations, les liens de cause à effet de vie en vie. Dès qu'on comprend comment l'autre a vécu dans d'autres vies, ce qui fait qu'il est ainsi, ou ce qui fait que nous sommes ainsi, évidemment par tout un cheminement et de suite de liens de cause à effet, on a une indulgence qui n'est évidemment pas la même. Mais surtout, il y a des peines qui n'existent plus. Il y a des compréhensions qui génèrent des peines. Ces compréhensions, à partir du moment où elles sont vues autrement, elles ne peuvent plus générer la même peine. Ne serait-ce que la mort. Tant qu'on croit à la mort, c'est une vraie croyance en fait. Et c'est pas que je crois en l'après-vie, hein, c'est que je crois plus en la mort. J'y crois plus. Mais il y a rien en moi qui y croit. Ça, c'est quand même important parce qu'il y a encore quelques temps, quand je voyais, quand les gens, ouais, comme tout le monde, j'ai des gens qui partent autour de moi, et je voyais comment je réagissais et je vois comment je réagis aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai vraiment eu le sentiment que là, les dernières personnes qui sont parties, pour moi, ils sont partis en voyage, je ne vais pas les voir pendant un temps, puis on va se retrouver. Ça ne peut pas faire la peine de la même manière. Ok, on va se manquer pendant un temps ou pas d'ailleurs, en fait, parce qu'on peut aussi vivre sans les uns, les autres, et se retrouver, être content après. Donc, selon le niveau de conscience, on va générer une souffrance atroce, horrible, ou on va pouvoir la temporiser, selon évidemment la personne qu'on perd, voire même peut la ressentir selon la proximité de la personne, selon la dépendance qu'on a avec elle, bien entendu, selon l'acceptabilité du décès, voilà, on a tous nos modalités. Savoir que la personne s'en va et qu'on se retrouve, et que ce n'est pas une croyance et qu'on espère que ça serait bien, mais en fait, on n'en est pas du tout sûr, mais plutôt, on peut avoir des contacts et on peut le savoir. C'est ça aussi qui change. C'est-à-dire avoir des contacts, sentir, percevoir, échanger avec la personne. Ce n'est pas fictif, ce n'est pas imaginaire. On a un contact qui est vérifiable par d'autres personnes. Donc, c'est une autre compréhension qui n'est plus « j'aimerais, je voudrais croire ». Non,
c'est je peux vérifier et je sais et on se retrouvera. Donc ça apporte une stabilité et une tranquillité qui n'est pas la même. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas quand quelqu'un s'en va, mais ce n'est pas pareil. Mmh. Ouais. Et si on regarde, puis on va comprendre davantage cette approche-là en décrivant notre processus. Oui. Si on regarde ici, oups, je vais rajuster. Discuter, ben, comment ça s'effectue les compréhensions? Fait que ce que je vais faire, les transformations, je vais parler un petit peu, Isabelle, puis tu pourras me compléter par la suite ce que je vais faire. Je vais peut-être me mettre en plan ici. En format solo, tiens, voilà, comme ça, si je me mets comme ça, voilà. Donc, dans un premier temps, ça c'est super important parce que comme je l'ai mentionné au tout départ, j'ai quasiment le goût de dire qu'on fasse un apprentissage de n'importe quelle forme d'accompagnement, c'est important de savoir mais comment est-ce que le processus de changement, comment est-ce que le client, le patient va changer, va se transformer pour voir dans un premier temps, ben, est-ce que c'est une approche qui colle avec nos valeurs, avec ce que nous, on veut faire dans la façon d'accompagner les gens. Et la première chose à clarifier, c'est un petit peu ce qu'on appelle la cascade de comment que l'humain fonctionne de façon générale pour qu'on puisse comprendre à quel niveau les transformations se produisent dans notre approche. Donc, dans un premier temps, ça, c'est vraiment quelque chose de très sommaire que... Ça commence avec une perception, on commence à percevoir avec un de nos sens, donc souvent c'est plus qu'un sens, on peut voir, on peut entendre quelque chose. Et suite à ça, il y a une interprétation de la réalité qui s'enclenche, donc c'est là qu'on donne du sens à ce qu'on a vécu. Hein, donc soit si c'est quelque chose qui nous plaît ou qui nous déplaît, on va avoir une interprétation qui va mener à une émotion qui est en arrière ou un sentiment. Donc, c'est vraiment dans... Et c'est la deuxième partie, souvent, dans un premier temps, c'est quasiment automatique. C'est un peu la paire de lunettes hein, à travers lequel on regarde la réalité. On peut réviser nos interprétations par la suite. Et ce sont ces interprétations-là qui mènent, comme je l'ai mentionné, à des sentiments, à une émotion intérieure. Donc, si j'interprète quelqu'un comme étant dangereux, ben, je vais peut-être avoir le réflexe d'avoir une émotion de peur, qui va mener à des pensées qui vont être en adéquation vibratoire, si on peut dire ça, avec cette émotion-là, de façon qu'il va avoir, ça va générer des pensées de peur. Et ces pensées-là ben, mènent à des choix, des décisions, éventuellement à des comportements. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que si on veut travailler sur le changement, la transformation de l'humain, ben, c'est important de travailler sur les deux premiers niveaux, au niveau des perceptions et de l'interprétation de la réalité. Donc, si on prend ce modèle-là puis on l'applique dans nos séances, prenons une séance de régression vie antérieure. Dans un premier temps, bon, la personne accède à un événement significatif dans une vie passée. Donc, ça peut être un moment émotionnel, ça se peut être un moment peut-être une blessure physique, peut-être qu'il se passe quelque chose de difficile ou pas. Ça peut être d'autres choses, mais on va demander, nous autres, à l'inconscient, à la conscience supérieure, une vie passée qui a beaucoup d'influence sur la vie présente pour nous aider soit à comprendre certaines choses, libérer certaines choses, réactiver certaines connaissances. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la conscience supérieure de nous permettre d'identifier des moments importants dans la vie passée, des événements significatifs. Une fois qu'on a identifié des événements significatifs, bien, notre job, notre travail à quelque part, ça va être justement de faire en sorte d'extraire les défis, les compréhensions, les apprentissages, à savoir... Bien, qu'est-ce qui fait, dans un premier temps, qu'on a donné accès à cette vie-là ou à cet événement-là? Okay? Est-ce que le défi de cette vie-là, est-ce qu'il a été réalisé ou pas? Est-ce que le défi qui se contenait dans cet événement significatif-là a été réalisé ou non? Alors, on peut poser des questions pour voir c'est quoi, faire des liens avec la vie présente, des leçons de vie à retirer, des prises de conscience, des nouvelles compréhensions sages qui seraient intéressantes à effectuer. Ici, je fais une petite parenthèse parce que, justement, dans le modèle spirituel, si on veut l'appeler ainsi, dans le fond, quand les gens meurent, OK, bon, les gens, après ça, il y a une revue de vie, et après ça, ben, quand on revient, ben, il y a un contrat d'âme, ce qu'on appelle un contrat d'âme, donc des décisions qui sont effectuées par rapport à certains apprentissages qu'on vient faire, ça peut être aussi là qu'ils vont être. Il va y avoir des décisions qui sont prises parfois sur peut-être des maladies, ça peut être des situations, des personnes qu'on va rencontrer.
et que dans les défis qui sont prévus qu'on rencontre, ben, il y a des apprentissages à tirer de ça pour que l'âme puisse grandir de ça. Donc, c'est pour ça que dans notre approche, on parle de défis et non pas de problèmes, parce que problème, souvent, c'est quelque chose qu'on veut se détacher, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, alors qu'un défi, ben, c'est plutôt une opportunité de croissance pour dépasser quelque chose en nous. Donc, c'est vraiment au centre de notre approche. Et par la suite, ben, qu'on a identifié justement le défi, les apprentissages, ben, on va identifier les implications de ces nouveaux apprentissages dans la vie de la personne. Donc, c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la personne de savoir ça? Est-ce qu'il y a des nouveaux comportements qui pourraient découler de ça, de ces nouveaux apprentissages-là? Et par la suite, on va faire ce qu'on appelle relier à la pleine réalisation des apprentissages, dans le sens qu'on va connecter la personne dans un futur, dans le champ des possibles, à savoir, bon, ben, à quoi ressemble ta vie quand tu auras intégré ces apprentissages-là que tu as fait aujourd'hui? Et c'est vraiment ces apprentissages-là qui sont un petit peu le premier domino qui va enclencher une série de prises de conscience, de changements qui va amener la personne à changer, à se transformer. Et ça, c'est vraiment très... Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est vraiment... On parle ici vraiment d'un changement en conscience. Parce que si on compare rapidement avec les autres formes d'hypnose plus traditionnelles, hein, si on prend l'hypnose classique, que c'est plus vraiment juste donner des suggestions directes à la personne, que la personne est en état d'hypnose, puis là, on parle à son inconscient pour qu'elle change. Après ça, en hypnose ericksonienne, ça a évolué un petit peu plus. Il y a des suggestions directes, mais aussi des suggestions indirectes qu'on va parler à l'inconscient de façon détournée. On va essayer de dire des choses que l'esprit conscient ne captera pas. Donc, on s'adresse vraiment plus à l'inconscient à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va aussi utiliser des métaphores. Donc, c'est intéressant parce que l'hypnose directionnelle intègre un nouveau sens, mais par des métaphores, mais ça ne se fait pas consciemment. On s'adresse encore à l'inconscient. Tandis qu'en hypnose spirituelle, on est vraiment dans une approche en conscience qui fait en sorte que la personne, oui, on peut utiliser des techniques pour communiquer avec l'inconscient pour stimuler certaines transformations, mais à la base, le changement s'effectue parce que la personne comprend certaines choses d'un autre point de vue. Donc ça, c'est super important. Et peut-être, Isabelle, pour aider à comprendre davantage ce point de vue-là, on pourrait peut-être donner un exemple. Je ne sais pas si tu pourrais... Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, la pratique d'hypnose spirituelle, surtout comme on l'enseigne, c'est que le thérapeute n'est plus le thérapeute. Dans le sens où on apprend à la personne à ne pas prendre toute la place dans l'accompagnement, mais bien au contraire, stimuler pour que l'enseignant qui est dans le monde de l'esprit, c'est-à-dire son guide, les personnes sages qui viennent lui enseigner, puissent lui communiquer de l'intérieur et qu'en fait, la personne qui se trouve être le praticien accompagne pour que l'enseignement vienne du dedans, mais que ça ne vienne pas, évidemment, du praticien. Et ça, c'est important parce que dans plein d'autres approches, c'est l'interprétation du thérapeute, c'est l'interprétation du praticien, c'est les recherches de solutions, en fait, qui viennent du thérapeute. Et c'est exactement ça qu'on n'a pas dans l'hypnose spirituelle, parce que l'enseignement, en lien direct avec le cœur, vient dans la personne. Et la position psychique qu'on a quand on est à côté de quelqu'un qui reçoit les enseignements, c'est vraiment accompagner, juste permettre à soutenir, développer, stimuler, et après... on intègre, c'est-à-dire on permet de faire sentir et percevoir tous les changements en lien avec les enseignements que la personne a reçus de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une position psychique aussi, hein, de la part du praticien. Quand je regarde comment le temps qu'il faut quand même pour que le praticien trouve cette juste posture, il faut plusieurs mois, hein, dans le travail qu'on peut faire là dans l'accompagnement thérapeutique pour qu'il trouve la vraie bonne posture. Rares sont ceux qui l'ont d'office, hein. Dans ce que je peux voir, il faut vraiment tout un cheminement de compréhension pour voir que les interventions, même qui ont l'air anodines, peuvent être en fait un souhait d'intervenir, c'est-à-dire de leader la séance. Et le travail, c'est apprendre à faire que l'intelligence du monde de l'esprit lead la séance. Et nous, on accompagne ce qui est déjà présent. Voilà, on fait naître, on accompagne, on fait naître l'information à la personne en l'invitant, en la demandant, mais c'est toujours en elle que vient l'enseignement. Et ça, c'est fondamental. Fondamental parce que c'est ça qui va faire que la personne sera autonome.
Il faut que la personne puisse recevoir elle-même les informations, juste en écoutant au bon endroit d'elle-même. Si c'est des recherches de solutions d'un praticien qui trouve « il y a tel problème, je lui trouve telle solution » et quelque part, je cherche juste à faire venir une sorte de validation interne, et en fait, on est toujours dans le même registre que l'on souhaite quitter, qui est la dépendance au thérapeute. C'est vraiment une autre démarche, parce qu'à la longue, ce qu'on cherche à stimuler chez la personne, c'est une capacité avec une vraie lucidité, un vrai discernement, à se relier elle-même au monde de l'esprit, c'est-à-dire à l'amour enseignant en elle, et qu'après, ça soit son propre guide à l'intérieur d'elle. Donc, c'est être relié au soleil interne qui nous guide et qui nous enseigne de manière autonome. Donc, vraiment, la spécificité de notre enseignement, il y a quand même, au niveau de l'accompagnement thérapeutique, un gros renforcement de cette posture-là. On fait vraiment en sorte que la personne puisse sentir où est sa posture et que les thérapeutes, c'est bien de l'autre côté du voile et que nous, on est leur relais. Voilà. Ça replace toujours bien et c'est important, vraiment, 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 parce que beaucoup de maladresses en voulant bien faire, en voulant aider, viennent de la croyance que c'est le praticien, le thérapeute. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Du coup, la question. Parce que... Oui, ben, un exemple de cas. Oui, d'accord. Ah, un exemple de cas. Mais alors, de ce que tu m'avais dit avant, c'était. Ouais, ben, en fait, c'est le processus. Bon, on est dans une vie antérieure, on identifie un événement, après ça, les compréhensions sages, un petit peu les étapes, mais avec un cas réel, si on veut. C'est ça. Le cheminement qui se passe quand on vient d'explorer une vie antérieure et qu'on est encore souvent dans l'émotion, on ressent fort les choses, on est dedans, on vit l'émotion, et donc on est sur une sorte de champ de conscience qui est très en lien à l'horizontalité de compréhension. On est encore dedans à y croire encore, si je puis dire. On peut encore être en colère, on peut encore être frustré. Et quand on connecte au monde de l'esprit, on a une autre fréquence de conscience qui s'élève vraiment en nous. On sent qu'il y a une sorte d'élévation, va souvent vers plus de lumière, et il y a un espace de conscience plus calme, plus apaisé. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut se relier aux enseignants, que ce soit la conscience supérieure, ou que ce soit juste une lumière enseignante, ou que ce soit visuellement, pourquoi pas, des personnes qui vont avoir cette forme-là. Mais en vrai, c'est quand même la lumière qui nous enseigne, donc on peut lui donner une forme si on veut ou pas, mais c'est une lumière enseignante, et c'est la même en chacun de nous. Donc cette lumière, elle nous enseigne, et elle nous permet de voir une compréhension tout autre aussi par l'habileté du praticien. Parce que certaines questions du praticien, si elles ne vont pas vers un point de vue suffisamment en hauteur, peuvent en fait nous laisser un peu dans une sorte de patinage. Si on parle par exemple que des émotions, que de la colère, en oubliant qu'en fait ce qui va générer l'émotion, c'est une croyance. Quelle est la croyance? Quel est le champ de conscience? Et c'est pour ça que nous, on passe par le défi qui permet en fait d'offrir immédiatement une compréhension différente. Imaginons que notre défi ait été l'autonomie et que du coup, pendant toute notre vie, on a perdu nos proches, on n'a pas réussi à trouver de conjoint-conjointe, on n'a pas eu d'enfant et que on rentre blessé, fatigué, meurtri de plein de sentiments d'injustice et que notre guide nous dise que le défi était... d'être autonome, ça révèle une autre lecture de notre vie, c'est-à-dire on n'a pas échoué en n'étant pas quelque part capable de construire une famille ou capable d'être en couple, c'est qu'en fait notre âme avait besoin d'apprendre ce que c'était d'être autonome, de ne pas s'appuyer sur autrui. Alors souvent ce qu'il nous montre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous montre qu'on aurait pu, alors, quand on demande si on a relevé le défi, par exemple là l'autonomie, on pourrait dire bah oui j'ai relevé le défi, mais est-ce que j'aurais pu le relever j'aurais pu le vivre différemment. Et là, il nous montre qu'on aurait pu le vivre avec plus de joie, avec peut-être plus d'amour, en acceptant mieux. Souvent, c'est par l'acceptation que ça se passe. Hein, en acceptant mieux notre situation, en arrêtant de s'en vouloir de ce qu'on vit, en arrêtant d'en vouloir aux autres. C'est-à-dire, il nous montre une posture différente avec le même chemin de vie, peut-être parfois le même, parfois vraiment différent, hein, si on réagit différemment. Par exemple, sortir de l'enfermement, si on ose sortir et si on n'ose pas sortir, ça ne fait pas du tout le même chemin de vie. Hein. Et donc, voir le défi réalisé ou non, ce qui serait passé si on avait réussi à le réaliser, s'il est réalisé, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas réussi à le réaliser? Puis là, on voit en fait la puissance du libre-arbitre. C'est-à-dire que notre libre-arbitre peut vraiment générer des énormes changements dans notre vie. Et ça, c'est intéressant parce que quand on voit que dans notre vie, on peut se sentir impuissant, coincé, en fait, juste
Ayons conscience, on a un total pouvoir sur nous-mêmes. On peut changer énormément de choses. Maintenant, il faut conscientiser qu'on a nous-mêmes ce pouvoir-là. Si on croit qu'on n'a pas le choix et que c'est comme ça, ou si on croit que c'est conditionné ainsi, on oublie notre énorme part transformatrice. Donc, c'est oser suivre notre cœur, oser suivre notre capacité à oser, en fait. C'est oser. C'est par là que ça se passe, la sortie, quoi. Donc, ouais. Quand on est avec les enseignants, c'est ce qu'ils nous montrent. C'est qu'en fait, il se passe des choses et puis on y est pour beaucoup. Donc, comment on a réagi, comment on a interprété, et puis ce qu'on en a fait. Ouais. Il y a une question. Cet endroit-là qui élève. Oui, pardon. Oui, non. Sylvain pose la question, qu'est-ce qui m'étonne ici et que la discussion de l'hypnose régressive est reliée beaucoup au malaise ou aux maladies de l'être. Merci de poser la question, Sylvain, parce que c'est quand même important. Dans le fond, bon, ici, c'est un exemple relié à ça, mais quand on travaille en hypnose de régression, on va demander une vie passée, donc il y a de l'influence sur la vie présente, et ça se peut que les événements significatifs, ça soit des événements heureux, même des ressources que la personne, peut-être que je donne un exemple comme ça, dans sa vie présente, elle n'a pas beaucoup de confiance en elle, et là qu'elle va connecter avec une vie passée ou qu'elle est une personne qui a beaucoup de confiance en elle, donc elle va aller puiser dans ses ressources. Donc, ça varie. Donc, ce n'est pas nécessairement ça, c'est de ça qu'on parle ici. Mais de façon générale, je pense que, puis si tu as quelque chose à rajouter, Isabelle, tu pourrais rajouter, mais je pense que la conscience supérieure, l'intelligence sage va diriger là où notre être a besoin d'apprendre quelque chose pour évoluer. Ça se peut que ce soit quelque chose qui a été douloureux par le passé, mais ça se peut que ce soit autre chose aussi. Tout à fait ça, tout à fait d'accord. C'est-à-dire, c'est jamais nous qui décidons dans notre approche. Après, je ne sais pas comment les autres font, mais dans notre approche, c'est souvent juste, on fait confiance à la conscience supérieure, elle va choisir ce qui est le plus approprié. Une vie qui a beaucoup d'influence sur la vie présente, c'est souvent l'intention qu'on place. Après, si quelqu'un a vraiment spécifiquement une intention particulière, libre à eux de la poser, c'est leur régression, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, dans notre intention habituelle, on amène quand même plutôt une ouverture de « vient ce qui vient et ce sera juste ». Voilà, c'est quand même notre posture de départ. Et il se trouve que très souvent, c'est des choses qu'on a besoin de relire avec une conscience aimante et sage. Et quand un thérapeute est aussi, on va dire, dans une habileté à l'aider à aller à ces endroits-là, on aura plus de tendance à avoir des vies difficiles, compliquées, qu'il va falloir relire grâce à cette habileté d'aller chercher, par exemple, le défi. Peut-être avec un thérapeute qui aurait moins l'habitude. Ça aussi, ça joue. J'ai remarqué que certaines vies n'arrivent qu'à certains moments quand le thérapeute qui est à côté est vraiment apte à aller chercher certains endroits pour libérer vraiment la compréhension. Et que des vies très belles, très douces peuvent venir aider, soulager, supporter, aider à certains moments, mais aussi peuvent être en lien avec la personne qui est présente et qui saurait peut-être pas se décortiquer certaines vies qui peuvent être un petit peu difficiles. Il y a tout. C'est toujours vraiment une parfaite harmonie entre la personne qui consulte, entre la personne qui est consultée pour faire cette démarche-là, et puis le moment où ils le font, une semaine avant, une semaine après. Je pense que ça pourrait ne pas être la même régression. Avec une personne ou une autre, je pense que ça peut être différent aussi. C'est vraiment, tout joue. Et oui, il y a aussi des immenses expansions de conscience, il y a des expériences de compréhension métaphorique, hors mots même, parfois vraiment des expériences de ressenti. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui se passent. Mais des vies difficiles, en fait, il faut savoir qu'on en a énormément, sinon on n'aurait pas tourné en rond, quoi. C'est-à-dire, si l'humanité en est là, c'est parce qu'elle se traîne des choses qu'elle n'arrive pas à liquider et à éclairer aussi certains endroits de soi. Donc, c'est normal qu'on aille aussi les libérer, ces vies-là, pour les relire à une conscience aimante. C'est vraiment le plus gros du travail, c'est aller relire auprès de la conscience aimante. Et ça devient des vies magnifiques, hein. Elles ne sont pas du tout affreuses, ravies souvent même d'avoir vécu ça. Et ça fait un lien avec ce que Sylvain a rajouté par la suite, et que l'amour inconditionnel est au centre de tout. Ben, effectivement, et je dirais même que c'est cet amour-là qui permet justement de transcender certaines choses dans la vie présente, et que quand les gens ressentent ça, et souvent, moi ça m'a marqué vraiment dans ma pratique, le nombre de fois que les clients disaient « mais je n'ai jamais ressenti cet amour-là dans ma vie, en fait, au quotidien. » Fait que c'est vraiment une autre qualité d'amour. Puis quand le sujet peut connecter avec ça, bien, ça l'aide vraiment à dissoudre et comprendre d'autres choses différemment.
C'est exactement cet endroit qu'on connecte quand on a fini de régresser dans une vie antérieure et qu'on connecte au monde de l'esprit. C'est depuis cet amour-là qu'on relie la vie et c'est depuis cet amour-là qu'on voit à quel point elle était merveilleuse. C'est-à-dire, elle n'est vue comme une vie difficile que tant qu'on est dans l'horizontalité. Sinon, elle est merveilleuse. Mais toutes les vies sont merveilleuses. Si on voit seulement les enseignements, il n'y a rien de plus beau qu'une vie. Si on ne sait lire que les enseignements au-delà des souffrances et des difficultés, il n'y a rien de plus beau. C'est seulement si on juge qu'on croit que c'est une mauvaise vie, une vie difficile, et si ça, en fait, elles sont toujours fabuleuses, elles nous font progresser. On aime progresser, on aime grandir. Et on sait que c'est un jeu quand on est à cet endroit-là. On a cette conscience qui fait qu'on trouve ça merveilleusement beau. Ouais. Et si je viens ici, comme ça, oh, je vais me redonner encore le format solo ici. Donc, si on veut résumer de façon générale, bon, si on regarde la ligne du bas, donc on a un événement significatif dans la vie antérieure. Donc, la personne, la façon dont ça s'est passé dans sa vie antérieure, bon, ben, elle a vécu un événement. Après ça, elle a vécu une interprétation dans sa vie passée qui a une influence inconsciente sur la vie présente. OK, donc c'est ces moments-là qu'on va identifier. Sauf qu'avec le travail que nous, on fait, puis c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'événement significatif dans la vie antérieure, ben, on va aller chercher une nouvelle interprétation, une compréhension du défi qui est plus en hauteur. Hein? Donc, c'est comme si on va percevoir un petit peu la trame de l'incarnation. Puis comme Isabelle vient de mentionner, quand on comprend du point de vue sage que ça a été choisi sous peu. Et ça, quand la personne l'accepte, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le... Bon, d'un, c'est pas le praticien qui lui dit, hein, mais c'est pas une compréhension mentale. C'est la personne qui le rapporte et qui le ressent dans son cœur. Et quand la personne comprend d'un point de vue intérieur les raisons pour lesquelles elle a vécu cette vie passée-là, et c'est ça qui change tout. Puis vraiment, avec cette lecture sage et aimante, et c'est là que ça stimule justement des nouvelles influences consciente sur la vie présente, parce qu'on va faire un travail d'intégration sur cette vie passée-là et vraiment d'aller extraire ces apprentissages-là pour que ça change quelque chose dans la vie de la personne. Donc ça, puis tu avais donné un bon exemple quand on avait discuté, Isabelle, par rapport à la mort. Je ne sais pas si tu voulais... Je ne sais pas si tu te rappelles. Non. je t'avais dit... Tu le mentionneras, tu disais, oh, c'est très vrai. Je vais te rappeler. C'est le fait que si la personne elle croit que la mort existe, mais quand on comprend autrement, fait, tu t'en rappelles? C'est une blague. Mais en plus, j'en ai parlé juste avant, qui était qu'effectivement, oui. la tristesse qu'on ressent est liée à un champ de conscience. C'est-à-dire, tant qu'on croit quelque chose, au niveau horizontal, on se prend les murs, en fait. Donc, si on pense que en vrai, la personne qu'on aime, plus jamais on aura de contact avec. C'est vrai que c'est affreusement malheureux. Enfin, on ne peut qu'être affreusement malheureux. Mais si on a vraiment conscience que c'est sûr, la personnalité incarnée de la personne qu'on aime n'est plus présente, mais son essence, son âme, avec également ce masque parmi d'autres, parce qu'elle en a eu d'autres, existe. Le fait de se quitter pendant un temps et ne pas se voir pendant un temps ne crée pas la même douleur que de ne plus jamais avoir de contact. Plus jamais, c'est pas du tout la même histoire. Donc la douleur est d'une puissance qui est proportionnelle à la croyance qu'on a derrière. Le champ de conscience qu'on a quand on peut se relier de l'autre côté du voile aux personnes que l'on aime, les ressentir, communiquer avec eux, apporte une autre façon d'être au monde. C'est-à-dire on accepte différemment un départ. Parce qu'il n'est pas une réelle amputation. Il est une perte pendant un temps d'un contact. On en aura d'autres après. C'est vraiment accepter un voyage, ce n'est pas la même histoire qu'accepter une perte définitive de quelqu'un. Ce n'est pas la même histoire du tout. Et quand on se relie aux personnes que l'on aime de l'autre côté du voile, en séance, hein, on le fait volontiers, ça arrive même extrêmement souvent. Après, c'est des habiletés quand les gens ont l'habitude de régresser, qu'ils développent et puis qu'ils peuvent avoir eux-mêmes pour communiquer avec les leurs. Ça change complètement la donne quand on a des contacts concrets, hein, avec les personnes qui nous aiment. C'est pas le vécu n'est pas du tout le même. Mais surtout, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport au processus de relecture d'une vie. Il faut voir aussi que
tout le travail que l'on essaie de faire est autour de la pacification. Les conflits, les colères qu'on peut se construire de vie en vie vis-à-vis de certaines personnes ou dans notre vie actuelle vis-à-vis d'un tel est lié au rôle que la personne joue dans notre vie présente. Quand on accède au sens de ce qui fait que cette personne joue ce rôle, éventuellement même les rôles que nous, on a eu à jouer pour cette personne dans d'autres vies, bah, la compréhension permet à une sorte d'espace psychique pour se voir, pour se vivre différemment et surtout, la gratitude peut venir en soi quand on saisit que cette personne joue un rôle pour nous aider, pour nous en fait, pas forcément contre nous. Donc c'est vraiment une compréhension qui change complètement la donne. Quand on voit que la personne a joué ce rôle pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous bonifier, pour nous aider à mieux nous maîtriser parce que par exemple on ne savait pas gérer telle ou telle chose, colère, sentiment d'injustice. Bref, la personne vient appuyer à des endroits où on n'est pas encore fort. Et notre âme, elle adore progresser. Donc forcément, on a besoin de gens qui viennent appuyer sur les endroits où on est faible. Et c'est ça ce qui est beau, en fait. Mmh. Et ça, ce n'est possible qu'à cet endroit-là, en fait, quand on connecte avec ce regard aimant, en hauteur, et pacifié. Donc, on peut dire quand même que les régressions, dans la manière dont on les utilise, c'est beaucoup autour de la pacification. Vraiment beaucoup, beaucoup. Surtout sur l'accompagnement sur le long terme, ce que j'ai placé au centre du travail qu'on fait, c'est quand même ça. Apprendre à se pacifier, apprendre à pacifier les liens et apprendre à pacifier tous nos liens avec les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie. Donc, autant dire qu'on c'est un vaste travail parce qu'on ne peut pas dire qu'on puisse s'entendre avec tout le monde et qu'on se soit entendu avec tout le monde. Mais pouvoir pacifier, c'est-à-dire ressentir dans notre cœur qui est l'autre, ce que l'autre a vécu, comment c'était pour lui d'être en lien à nous et à l'inverse, ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Tout ça est un espace de pacification qui est lié à l'espace compassionnel qu'on active quand on régresse. Hein. Ouais, ouais. Et... comprendre de l'intérieur, c'est autre chose. Ouais, effectivement. Donc, si on revient avec la cascade qu'on a mentionnée au départ, ouais. Ben, on voit que l'hypnose spirituelle de régression, du moins de la façon qu'on le travaille à l'IHS, on travaille vraiment au niveau des deux premiers points, hein, les perceptions, parce que les perceptions, c'est oui, on a nos cinq sens, mais aussi le sens médiumnique ou le sixième sens, peu importe comment qu'on l'appelle. Donc, quand ça change, puis peut-être tu peux en glisser un petit mot, Isabelle, parce que c'est intéressant. Oui, en fait, bah déjà en séance tout court, la dilatation cardiaque permet de communiquer avec le monde de l'esprit différemment, donc sentir les nôtres, parler avec les nôtres, échanger avec les nôtres, sentir, quand je dis parler, c'est subtil, on n'est pas obligé de parler avec la parole physique, c'est notre cœur communique directement avec le cœur des nôtres, ressentir la présence, ça c'est le sens subtil qui se développe, donc notre habileté à communiquer avec le monde de l'esprit se développe, et donc ces sens-là nous montre avec nos sens subtils la présence. C'est-à-dire, on a déjà nos expériences et du coup, quelque part, nos preuves à nous. Maintenant, plus on va travailler avec nos sens, plus ils vont se développer, plus, en dehors des séances, on pourra avoir accès à une multitude de contacts possibles. Hein. Mais déjà, pendant la séance, même sans avoir travaillé pendant des mois avec les régressions, on a tous cette possibilité de recevoir des informations de personnes qui sont, qu'on appelle décédées, qui est quand même particulier, ce qui reste très vivant. Oh, oui. Bien, bien vivant même. Mais voilà, on échange avec eux et cette compréhension de l'intérieur qui n'est donc pas liée à un médium qui nous traduit, mais bien une perception interne, ce n'est pas rien quand même de sentir, d'accueillir la présence de quelqu'un. Donc ouais. Ça, c'est nos sens qui se développent et plus on régresse, plus nos sens subtils deviennent habiles à percevoir et plus nos sens sont développés, plus notre cœur est dilaté, moins l'illusion de la séparativité est présente. C'est-à-dire, on sent la présence, on sent l'amour. Ça change tout. De ouais. Se sentir aimé, de se sentir dans un bain d'amour et de présence intelligente et soutenante, il n'y a pas la possibilité de se sentir seul. Seulement si on s'isole dans notre tête, mais si on développe notre conscience et nos sens, il n'y a pas un moment où on est seul. Ouais. Ça enlève ouais. Vraiment beaucoup de constructions mentales illusoires et qui ont généré nos souffrances et nos réactions. En effet. Et il y a Sylvain qui a rajouté ici, j'aime bien que le sujet tient compte du coefficient de l'âme, car sans lui, l'expansion ne se fait pas. Ben, effectivement, Sylvain, c'est,
c'est le fait qu'on connecte avec la réalité de l'âme qui permet de vivre l'expérience, qui permet de faire le travail qu'on fait. Et je dirais que c'est vraiment le point fort de l'hypnose spirituelle. Et que pour moi, à mon sens, je me faisais la réflexion tantôt, moi j'y avais déjà pensé, mais ça m'est revenu, c'est combien j'ai l'impression que dans le futur, puis tu me disais, ce que tu en penses, Isabelle, ben, je pense que tu vas être d'accord parce que c'est ce que tu avais pensé initialement, c'est que pour moi, un praticien en hypnose spirituelle de régression, c'est quelqu'un qui va devenir de plus en plus en demande pour travailler avec plein d'autres thérapeutes parce qu'on a accès justement au niveau de l'âme. La raison pour laquelle on est capable de faire un dézoom, parce qu'il y a plein de thérapeutes, que ce soit massothérapeute, acupuncture, peu importe, qui vont rencontrer parfois des patients, des clients, qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui bloque à quelque part, mais que ce n'est pas dans leur spectre de je ne sais pas comment le nommer, dans leur champ d'intervention, disons ça comme ça. Alors que s'ils peuvent collaborer avec quelqu'un, dire « Ah, peux-tu aller voir? » C'est que ça permet d'avoir la vue d'ensemble et de voir en plus. Bon, oui, tel défi est là parce que, puis là, on voit le contrat d'âme qui est en arrière, donc ça amène, c'est là le gros plus. Hein. Ouais. Il y a Anne qui mentionnait, elle posait la question, Anne. Isabelle, peut-être élaborer sur qui sont les nôtres. Est-ce que c'est nos guides, la famille d'âme, nos proches décédés? Ça peut être tout ça. Ce qui nous enseigne, c'est quand même ce qu'on appelle les guides, les nôtres. C'est nos amis, en fait. Ils ont une fonction de guide, comme nos parents, c'est des parents, mais ils ont une fonction de parents, sont des gens, en fait, à la base. Bah, les guides, ils ont une fonction de guide pendant un temps. Donc, c'est des gens qui nous aiment et qui nous soutiennent et qui nous accompagnent et qui nous aident vraiment à évoluer. Évoluer, c'est pas aller dans notre sens, c'est aider vraiment pour progresser. Donc, les nôtres, c'est nos enseignants. Donc, nos guides, nos enseignants. Maintenant, on a aussi des gens qui nous aiment, qui nous accompagnent, qui nous aident, ceux qu'on appelle nos défunts, qui sont des gens qui sont de l'autre côté du voile, du voile de nos yeux, parce qu'il n'y a pas d'autre voile à part nous-mêmes. On est le voile. Voilà. Mais voilà, ça peut être plein de personnes, mais on va chercher, quand on travaille en hypnose régressive, et puis qu'après, quand on utilise nos capacités pour se relier aux enseignants, c'est vraiment à ce qu'on appelle les guides, sont nos enseignants. Ouais. C'est avec eux qu'on travaille. C'est pas la même fréquence du tout, c'est pas la même puissance de compréhension, c'est pas la même lumière, même si les gens qui nous aiment de l'autre côté, nos défunts, ils sont gentils comme tout, ils nous aiment très fort, ils sont super, ils ont souvent beaucoup de maturité, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas avec eux qu'on reçoit les enseignements sages, c'est ceux qu'on appelle les guides, mais qui sont nos amis. En effet. Et donc, si on revient juste à la cascade, bon, ben, c'est justement, donc on travaille au niveau des perceptions et des interprétations de la réalité. Et donc, c'est pour ça que les gens se transforme, c'est comme ça que le changement se fait en hypnose spirituelle de régression, c'est en connectant avec des nouvelles compréhensions sages, en hauteur, qui permet justement, et ces réalisations-là, c'est quand j'ai des compréhensions, il ne faut pas juste penser au niveau mental, mais aussi accompagné d'un ressenti intérieur dans le cœur, qui fait que la personne, ben justement, elle va pouvoir comprendre autrement, puis passer à l'action, changer ses comportements, effectuer des transformations dans sa vie. Là, je vois le temps qui avance un petit peu. Je vois, il y a quelques questions. On va juste terminer, puis on va finaliser avec vos questions. Si je continue ici. OK. Comment l'hypnose spirituelle accélère les processus des patients d'Isabelle? Oui, peut-être on a abordé un petit peu, mais je ne sais pas si tu veux préciser davantage. Juste pour qu'on sache, dans le fond, j'avais posé la question à Isabelle. Ben, Isabelle avait déjà partagé par le passé. Que justement, ben, le fait qu'elle commençait à faire ce type de travail-là de plus en plus, ben, elle voyait que ça changeait quelque chose dans la rapidité du changement des processus thérapeutiques. Donc, tu peux nous en donner un petit mot. En fait, ce qui accélère, c'est vraiment un lien avec la vue. La manière dont on regarde la vie, si on la regarde horizontalement, n'aura pas la même puissance de compréhension si on la regarde verticalement. Ça active un sens de responsabilité. Par exemple, on ne peut pas enlever certaines blessures tant qu'on croit qu'on est une victime d'une vie. Si on croit qu'on n'a pas eu le choix, qu'on s'est retrouvé avec des parents
et que ceux-là, ils étaient compliqués pour nous à vivre, que ce corps-là, que cette, ce chemin de vie-là, il était difficile et voire injuste, extrêmement difficile de progresser dans une thérapie en étant vraiment bien et libre. On pourra mettre de côté certaines choses, on pourra s'éloigner de, éventuellement de parents avec qui il y avait vraiment des choses toxiques. Mais est-ce qu'on sera en paix vraiment ? C'est pas dit. C'est pas si facile que ça en vrai. Parce qu'il y a des souffrances qui ne s'enlèvent pas comme ça. Et des souffrances, je pense par exemple aux souffrances de maltraitance. C'est très difficile d'enlever certaines choses en fait. Donc on peut travailler, on peut apaiser, on peut grandir, avancer, et du coup mettre ça au loin. Et l'hypnose régressive apporte un autre regard. Donc ça crée une dimension différente. Quand on saisit qu'on avait besoin de passer par un chemin spécifique, quand on comprend le sens de certaines expériences qui nous permettaient de comprendre de l'intérieur les souffrances, par exemple, on a besoin d'avoir vécu des choses pour comprendre les autres. Si, par exemple, on a à être thérapeute, on va vivre certaines difficultés pour pouvoir comprendre les gens qui ont vécu des difficultés. C'est beaucoup plus facile de comprendre quelqu'un qui souffre quand on a souffert. C'est techniquement plus difficile si on n'a pas eu de choses pénibles à traverser. Donc, saisir que ça fait partie d'un processus d'apprentissage. Donc, on a besoin de vivre certaines difficultés. Donc, là où on aurait pu en vouloir encore ou être blessé longtemps sur certaines souffrances, on comprend qu'en fait, elles nous étaient nécessaires pour comprendre. Ça fait comme un apprentissage dont on avait besoin. C'est cette responsabilité-là qu'on ne peut pas activer quand on ne travaille qu'avec une seule vie ou avec ou peut-être même avec la religion, c'est-à-dire à pas forcément voir au-delà d'une vie et se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Ça reste la même posture, c'est-à-dire on reste quand même assez victime de ce qu'on a vécu. Et la grande responsabilisation qui s'active quand on saisit qu'en fait notre âme, elle est volontaire, elle a besoin de grandir, elle a besoin d'avancer, eh bien, chercher de la difficulté pour vraiment la transmuter et en faire quelque chose de bon pour les autres, ça change complètement notre façon d'être au monde. On n'est plus une victime d'une vie, quoi. C'est énorme, la liberté qu'on a quand on a vraiment saisi ça. Mais mine de rien, en vrai, on y tient à nos souffrances. C'est pas si facile que ça d'accepter qu'on ait choisi. Parce qu'on a quand même envie de dire que c'était pas juste. Et c'est pour ça que c'est si important de travailler et quelquefois, pas qu'une fois, pas qu'avec une seule séance, pour comme inscrire dans une ouverture de conscience cette vue-là. Qu'après, on peut activer pour aller regarder de nouveau la situation et quelle que soit la situation, on peut revenir comme un endroit en hauteur qui nous permet de lire l'enseignement qu'on est en train de faire. Et ça nous permet de ne plus jamais nous sentir victime d'une situation. Quand on a l'impression d'être dans une situation injuste et d'être victime, c'est que notre regard n'est pas placé à un endroit où notre âme sait ce qu'elle apprend. Et c'est cet endroit-là, aimant et paisible, qui est joyeux, en vrai, on est heureux de travailler. Vraiment heureux. Mais pas sur la dimension humaine, parce qu'on a oublié ce bonheur, mais dans la dimension de notre âme. Donc, c'est forcément avec ce regard-là qu'on change complètement les choses. On ne peut pas libérer certaines souffrances tant qu'on n'est pas allé à cet endroit-là. On peut les apaiser, on peut les atténuer, mais en vrai, il y a quelque chose qui reste en souffrance. Ouais. Si on croit que ce n'est pas juste, voilà, et qu'on a fait du coup de notre mieux, mais que ce n'était quand même pas juste. Ouais. C'est vrai. Dans le fond, la prochaine question, je pense que ça s'entrecoupe un petit peu. Hein, que permet d'accomplir l'hypnose spirituelle qui soit difficilement atteignable avec la thérapie plus traditionnelle? Ah, c'est ça. J'avais donné cet exemple-là, qui en a plein d'autres, mais celui-ci était vraiment parlant. Un homme qui avait souffert de la manière dont sa mère avait été quand il était petit, parce qu'elle avait perdu un enfant et qu'elle était inconsolable et qu'elle avait eu beaucoup de mal à s'occuper de lui quand il était enfant. Et il pensait que son alcoolisme, quand il est devenu adulte, était lié à ses carences de maternage. En communiquant avec le monde de l'esprit, lorsqu'il a connecté à ses guides, il a appris qu'en fait, il avait choisi cette mère-là parce qu'elle souffrait tellement qu'il était venu lui donner envie de vivre parce qu'elle avait envie de se tuer après la mort de son bébé. Donc ça nous montre la puissance de compréhension qu'en fait, là où on a l'impression qu'on est victime d'une mère qui n'a pas assez de place pour nous accueillir, on comprend qu'on est une âme aidante qui vient aider notre âme. Ça change vraiment la donne. On n'a pas le même regard, on se sent... Et surtout, son guide lui a dit « Et tu as réussi, tu peux être fier de toi. » Ça change complètement les choses d'entendre dans notre cœur, de l'intérieur,
qu'en fait, c'est bien ce qu'on a fait. Qu'avant, on avait envie de dire qu'il y avait un problème, mais en fait, non, c'est bien ce qu'on a fait. On repart avec ça, quoi. Une conscience que c'est bien ce qu'on a apporté à l'autre. Alors qu'avant, on avait l'impression d'être une victime inconsolable d'une mère qui n'avait pas fait son travail. Ça n'a rien à voir, en fait. Et la douleur, bah, elle était moins forte, mais elle était là encore. Alors qu'avec cette compréhension, bah, y a une fierté, il y a une joie, et une compréhension aussi que bah, y avait de l'entraide, quoi. Et ça ne laisse pas le même sentiment en soi. Ouais. Et ça, en vrai, avec une thérapie normale, il en faut des années pour réparer les carences de maternage. C'est long. C'est long. On essaye, mais c'est long. Là, on n'a pas besoin de réparer parce qu'en fait, c'est bien. Ouais. C'est pour ça que moi. C'est le problème. Quand ça m'était venu la première fois que. Tu sais, le fait, pour moi, j'appelle ça arriver à accepter l'inacceptable. Parce que l'inacceptable, c'est vraiment du point de vue terrestre, de la justice, de notre petit moi qui dit « Ah, ça, c'est pas correct. » Puis c'est vrai que d'un certain point de vue, il y a certaines actions qui c'est pas correct. Ouais, c'est vrai. Donc, il n'y a pas à remettre ça en question. Mais c'est juste la posture intérieure de quand on comprend, puis c'est de l'intérieur, dans l'expérience, quand on connecte avec, comme tu as mentionné dans quelques exemples, on connecte avec l'âme de la personne et on comprend que ça s'inscrivait peut-être dans quelque chose de plus grand, dans un contrat d'âme, qu'il y avait des raisons pour lesquelles c'est arrivé comme ça, puis qu'il y avait des apprentissages à faire. C'est là que ça permet, de, surtout pour une personne qui a vécu peut-être des abus ou des choses qui n'ont pas été faciles, puis de ressentir que d'un certain point de vue, c'était juste d'un certain point de vue. Ça permet justement de pardonner. Puis même qu'à un certain niveau, il n'y a même pas de pardon parce qu'on comprend que l'autre, il a tenu son parti du pacte, du contrat d'âme, il a fait sa job à quelque part. Mais ça, c'est quelque chose que on peut. T'sais, un thérapeute normal ne peut pas dire. C'est parce que. Puis avec raison, c'est pas entendable. Mais quand la personne, juste quand son cœur est ouvert et qu'elle accède elle-même à l'information et qu'elle le ressent et que ça change quelque chose, c'est là que le cœur devient comme une sorte de catalyseur, quelque chose qui transforme justement l'ancienne perception en quelque chose de plus sage et plus d'une perspective, d'un plan plus large et qui aide à apaiser. Mais ça, c'est quelque chose que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'approches qui permettent ce changement-là, du moins aussi rapidement. C'est vraiment le changement de paradigme qui change tout. Tant qu'on est dans le même paradigme, on ne comprend pas les choses de la même manière et on ne peut pas voir autrement, en fait. C'est le changement de paradigme qui fait que notre perception change complètement. Ouais. Et ça devient beau là où c'était douloureux. Mais simplement, quand n'importe quelle chose vue à la loupe est moche, on dézoome, on s'éloigne, plus c'est beau. C'est vraiment psychiquement la même chose. Hein. C'est dézoomer et voir la beauté de l'articulation des vies entre elles et de la logique des vies entre elles. C'est merveilleux, en vrai. Mais c'est merveilleux quand on est à distance, quand on est dedans. Il faut se rappeler que c'est merveilleux. Et c'est tout le travail. C'est pas là qu'on va pouvoir se le rappeler parce que là, on voit juste que c'est difficile. Mais c'est en ouvrant notre cœur. Et c'est vraiment le travail des régressions. Plus on régresse, plus notre cœur s'ouvre. Vraiment physiquement, en fait. Il y a quelque chose de différent. Et ce qui émane de nous est différent aussi. Mm-hmm. Et c'est ça qui va faire qu'on va voir le monde différemment et être au monde différemment. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et je suis certain qu'il y a peut-être même des personnes qui écoutent ou qui vont écouter ça par la suite puis vont dire, mais voyons, non, ça n'a pas d'allure d'oser dire ça, qu'on peut avoir vécu un exemple terrible. Comment? Non, je peux te donner un exemple, si tu veux. Il y avait une personne qui avait régressé deux vies d'affilée dans une régression. La première vie, c'était une vie dans plutôt peut-être Amazonie, quelque chose comme ça. Elle avait été détenue, elle était sortie de sa détention, elle avait été vraiment blessée et elle avait réussi à s'évader. Elle devait avoir 14 ans, elle avait réussi à s'évader, elle avait été enfermée pendant des années, c'était vraiment affreux. Et puis en s'évadant, elle avait réussi à retrouver une sorte de tribu où elle a trouvé refuge et quelqu'un a été vraiment très gentil. Le chef de tribu avait été très gentil avec elle et lui avait porté sécurité. Et dans sa tribu, il avait réussi à créer une harmonie
très similaire à celle de jardin en permaculture, quoi. Chacun a son utilité, chacun a sa fonction, il faut juste allier les forces entre elles et c'est beau. Donc, il avait cet art-là, il lui a transmis. Donc, c'était cette vie où vraiment le début était affreusement difficile et la suite était vraiment belle. Mais elle avait toujours sur son cœur cette souffrance de ce qu'elle avait vécu et elle avait été blessée physiquement, enfin, c'était pas parti, quoi. Elle était partie de maladie. Parce que cette peine-là, elle n'avait pas réussi à la liquider. Et puis la vie d'après, c'était une vie où elle était moine au Tibet. Et donc, elle avait la capacité de se décorporer. Et dans ce groupe-là de moines, un jour, l'armée chinoise est intervenue. Et dans les forces qui cherchaient à imposer l'autorité, eh bien, il y a eu ce rapt de moines. Donc, ils ont enfermé les moines et puis ils les ont mis en prison. Alors, la personne en question était un moine et il est resté six mois dans sa petite cellule. Il ne pouvait pas rester assis complètement. Ce n'était pas possible. Il était voûté comme ça, à genoux et voûté. Son corps a tenu 6 mois. Il est mort au bout de 6 mois. Il était nourri par des toutes petites soupes. Vraiment, il n'y avait rien. Et quand, pendant les 6 mois où il était enfermé, il se décorporait et du coup, il passait énormément de temps avec les autres moines à être avec eux dans un partage sur d'autres fréquences, tout simplement. Et quand son corps est mort, il est parti avec une joie, mais indescriptible. Et du coup, ils lui ont montré, quand elle est arrivée pour recueillir les enseignements, l'intérêt de l'ouverture spirituelle. C'est-à-dire, là où il y avait une horreur à vivre, parce qu'objectivement, franchement, 6 mois enfermés, sans pouvoir être assis, même verticalement, c'est vraiment physiquement exténuant, c'était très douloureux, très difficile. Et il est parti avec une joie incommensurable et une paix incroyable, parce que sa conscience était dilatée suffisamment pour voir au-delà du jeu que c'était l'exercice que son âme souhaitait. Alors que dans l'autre vie, dans la même régression, la première vie qui avait été explorée, sa conscience spirituelle n'était pas là. Elle était dans la douleur parce qu'elle avait vécu des choses affreuses. Elle avait réussi à se reconstruire parce qu'elle avait vraiment rencontré des gens adorables, mais sa douleur était encore là. C'est ça que ça fait l'ouverture spirituelle, c'est que ça switch à un endroit où on ne peut pas forcément, malgré tous les soins, l'attention, l'amour qu'on peut recevoir, il y a des douleurs, on ne les enlèvera pas en fait. Tant qu'on n'a pas ouvert notre conscience à plus grand que soit en soi, on ne peut pas enlever certaines choses. On peut les atténuer, on peut les mettre de côté, on peut les adoucir. Mais en vrai, il y a quand même des choses qui nous semblent tellement inacceptables, tellement injustes, qu'elles restent douloureuses. Et c'est normal. Sur ce champ de conscience, c'est totalement normal. Et donc, dans une même régression, la même âme, qui explore avec une fermeture de conscience spirituelle et une ouverture de conscience spirituelle, et on voit la différence. Ouais. C'est extraordinaire. Et vraiment, qu'est-ce qu'il était heureux quand il a quitté son corps. Il était et dans la gratitude vis-à-vis de ceux qui l'avaient enfermé. Il n'y avait aucune hostilité. C'était vraiment une gratitude profonde d'avoir pu réussir ce qu'il s'était promis à lui-même. Voilà. Ouais. Rien de plus, en fait. C'est ça qui est impressionnant avec cette ouverture de compréhension. Ouais. En effet. Là, je regarde un petit peu les questions. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On va aborder les questions. Si vous en avez d'autres, ça va être le moment. Juste avant, je vais juste me mettre comme ça ici pour vous partager. Si jamais il y en a parmi vous qui ont un intérêt pour la formation, vous pouvez prendre une petite photo de la diapo, si vous le voulez. Donc, notre prochaine formation, le niveau 1 d'hypnose spirituelle de régression, c'est du 24 au 27 mai, puis du 1er au 3 juin. Donc, quand c'est à distance, c'est séparé en deux morceaux. Sinon, en présentiel, un super de beau lieu au Taillé en France, du 20 au 23 juin, inclusivement pour le niveau 1. Niveau 2, maître praticien, du 8 au 11 juin. Et l'hypnose évolutive, ceux qui sont intéressés, c'est du 21 au 23, puis du 28 au 30 avril. Et communication avec les défunts, ça, on va refaire d'autres émissions sur, éventuellement sur le processus hypno-évolutif de communication avec les défunts avec Lucie Gaudreau. Donc, gardez l'œil ouvert pour ça éventuellement. Ça, c'est du 20 au 20 septembre au 1er octobre. Et les rencontres découvertes aussi, qui sont intéressantes. Si jamais vous avez des questions ou c'est pas clair, ben, vous pouvez prendre rendez-vous dans le descriptif. J'ai mis un lien pour les rencontres découvertes. Vous pouvez remplir ça, un petit formulaire rapidement. Puis,
un de nos responsables de la clientèle va vous contacter pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. Donc, ceci dit, maintenant, les amis, on va passer à vos questions que j'ai vues passer un petit peu tantôt. Je reviens en arrière juste pour m'assurer de ne pas en avoir manqué. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il y avait un témoignage ici, Frédéric. Je ne sais pas si c'est encore là, mais merci d'avoir partagé. C'est extrêmement important lorsqu'on a un premier contact avec une personne qu'on aime pour comprendre que la mort n'est qu'un passage. C'est grâce à cette expérience que j'ai compris que c'était seulement un état qui change, l'essence étant toujours vivante. Effectivement, merci Frédéric de ton partage. Et voyez comment ça change tout, en fait. Parce que comme je l'ai mentionné, c'est pas, encore là, ce n'est pas juste une compréhension mentale, c'est une compréhension du cœur ou qui allie la tête et le cœur parce qu'il comprend l'information, mais elle le ressent. Et quand on ressent ça, comme Isabelle, tu mentionnais tantôt qu'on perd quelqu'un, puis l'exemple que tu as donné, c'est exactement la réflexion que je m'étais fait à un moment donné. Je me suis dit, ben oui, dans le fond, c'est exactement pareil, presque, qu'une personne qui part en voyage, puis que tu dis, bon, ben, on va revoir plus tard, mais on va être séparés pendant un temps. Donc, ça change complètement dans la conscience de la personne que de dire, oh, elle est morte, puis on la reverra plus. C'est une compréhension différente. Et surtout, quand c'est pas juste, entre parenthèses, une croyance dans la tête, mais que tu as un ressenti, c'est ça qui aide. Parce que la croyance, elle peut aider, mais quand tu as un ressenti qui l'accompagne, c'est ça qui change. Donc, merci Frédéric de ton partage. Bon, Sylvain partageait, peut-on parler de l'importance que le temps n'existe pas lors de l'hypnose régressive et que tout se passe dans le présent. Que dire? Ben, effectivement, hein, quand on parle de vie passée, d'un certain point de vue, vu que le temps n'existe pas, ben, ce sont des vies, on devrait dire, techniquement parlant, des vies parallèles, d'une certaine façon. Hein. Donc, c'est tout se passe en même temps. Donc, l'écrivain Daniel Meroy, souvent, il va utiliser l'analogie comme une radio qu'on synchronise sur une fréquence pour une vie X, puis une autre fréquence avec une autre vie. Mais tout ça se passe dans l'instant présent. À présent, est-ce que ça change quelque chose concrètement dans la façon d'accompagner? Pour moi, c'est... Je ne sais pas, toi Isabelle, y a-tu quelque chose qui vient? Est-ce que tu prends ça en compte dans les interventions? Pour moi, c'est que ça valide. Si tout se passe en ce moment, ben, si on fait un travail, ben, ça fait un travail dans une incarnation influence les autres aussi, hein, parce que tout est relié d'une certaine façon. Mais pour moi, l'intemporalité, je ne dirais pas que ça influence mes interventions. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus ou pas? Non. La compréhension aussi que ce que l'on explore, ce sont des vies. Ouais. Je serais tentée de dire des vies qu'on explore pour travailler sur soi. Est-ce que c'est à soi ou pas? Est-ce que la personne a la capacité d'accéder à ses réelles vies antérieures ou est-ce que ce sont des vies antérieures qui lui sont données pour qu'elle progresse? Je ne sais pas. Je sais que ce sont des vies et qu'on travaille avec des vies antérieures. Je pense qu'avec une décorporation de corps astral pour entrer dans les annales akashiques, pour aller explorer une vie, on est bien d'accord, là, ça serait nos vies. Maintenant, les autres, dans une expansion de conscience, comme on sait, on dilate notre conscience, on explore des vies, on travaille sur nous. Moi, je le vois comme vraiment un travail sur soi pour voir autrement, pour entrer dans des compréhensions différentes, des corps différents, des visions différentes. Et ça active une compassion qui n'a plus rien à voir. Est-ce que c'est à nous? Je ne poserai pas cette question. Notre corps physique est un représentant intéressant de ce qu'est le vivant. On ne ressemble pas au bébé qu'on était et pourtant on est encore, notre conscience est là encore, elle est logée dedans. Mais on n'est plus ce bébé, les cellules ne sont plus là, on est là quand même. Tout a changé, le corps a changé, les cellules ont changé, tout s'est renouvelé, on est quand même là. Bien, tout est maintenant, c'est comme ça. Est-ce que c'est à nous, est-ce que c'est à l'autre? De toute façon, on est une infime partie d'une immensité. On s'amuse à mettre des cloisons là où on cherche à décloisonner. Je crois qu'on perd notre énergie pour rien. On explore des vies, elles sont toutes maintenant, et c'est la puissance de la dilatation du cœur que l'on recherche, pas essayer de retracer une sorte de parcours de l'âme qui aurait fait ci ou ça et que ça prouve je ne sais pas quoi, pas du tout. C'est le temps ne nous intéresse pas plus que ça, vu que c'est un espace. Ouais. Je demande d'ailleurs jamais en quelle année c'est, hein. C'est vraiment une question que je ne demande pas. Je demande éventuellement où c'est, ça permet de localiser. Mais alors l'année, aucune importance, de toute façon, c'est un espace
qui est créé pour qu'une vie se développe, donc peu importe. Ouais. Et mais voilà, pour nous, c'est pas un critère. En effet. Et puis je pense que c'est une bonne chose aussi de voir ça comme étant des vies, de ne pas s'attacher, parce qu'on sait que parfois ça peut être métaphorique. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'accède pas à la vie de quelqu'un d'autre, qu'il n'y a pas une intelligence sage qui nous a permis d'avoir accès pour vivre quelque chose? Donc, d'avoir ce détachement-là, pour moi, il est quand même important pour pas que l'ego se dise « Ah, ben j'ai été ici, vraiment. Ouais. Vraiment, et puis surtout, on travaille le détachement et le décloisonnement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est travailler le décloisonnement et le détachement. Donc, si c'est pour se suridentifier à plein d'autres corps, on va vraiment loin de l'objectif. Notre travail, c'est se désidentifier progressivement de l'humain, pas se rajouter plein d'identifications à plein d'humains. C'est vraiment pas le jeu du tout. Hein. C'est augmenter la compassion, la pacification, le regard interne qui fait qu'on voit qu'on peut être dans chacun. C'est ça qui nous intéresse. Mais alors, surtout pas s'approprier les vies qu'on explore, encore moins se dire « moi, je suis machin parce que j'ai vécu ci ou ça ». Vraiment, non, quoi. C'est non. Plus de compassion, plus de simplicité et puis moins d'identification à l'humain, et là on progresse. Mais si on se suridentifie à l'humain en se disant que moi j'ai fait ci ou ça dans d'autres vies, alors vraiment on n'est plus du tout dans le même travail, quoi. Ne pas s'approprier ce qu'on explore, mais par contre apprendre de ce qu'on explore. Anne pose les questions que tout le monde se pose. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que chaque patient, client arrive à communiquer de façon significative avec ses guides? Et l'autre question que tu as marquée par la suite, Anne, quel serait le taux de réussite? Quelles sont les conditions, modalités? Oh, si j'ai reçu un message en même temps. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que ça veut... Je dirais, c'est une question de prédisposition. Il y en a qui vont avoir une facilité au départ, pour X raisons qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Il y en a qui ont une prédisposition, il y en a qui ont besoin d'un peu plus de pratique. Mais c'est aussi une question de préparation. Puis je pense qu'Isabelle, tu les prépares quand même assez bien. Les gens, peut-être tu peux nous en glisser un mot de tout ça. Oui. Déjà, aucune précipitation. C'est une garantie de une possibilité de mieux connecter, c'est de ne pas se précipiter. Si on a vu récemment quelque chose qu'on veut tout de suite expérimenter, on a vu une conférence, on a écouté un live ou on a lu un livre, on veut faire une séance demain, là on force une mémoire, il n'y a pas de raison qu'elle se dépêche de sortir comme ça. C'est un processus pour que doucement la mémoire puisse se dilater et devenir accessible. Donc patience, temps. Ça aide à ce que la mémoire ait le temps de faire son processus naturel pour venir visible, devenir visible et qu'on y ait accès correctement. D'accord ? Donc ça, c'est un point important, c'est le temps qu'on prend. Se préparer en écoutant les audios que tu as apportés pour chaque praticien, ça aussi, c'est un temps important. Lire aussi, j'ai remarqué que les gens qui s'étaient investis, en fait, en vrai, je propose juste comment moi je m'y suis prise, parce que j'ai trouvé que, en fait, en m'y prenant ainsi, ça avait du sens pour moi. Alors, je le propose pour les autres parce que je pense que ça peut faire sens pour d'autres. Maintenant, peut-être d'autres se prépareront autrement. Mais moi, je me suis énormément documentée avant. J'ai cherché, j'ai regardé si ça me paraissait logique. J'ai regardé comment venait l'information. J'ai essayé moi-même toute seule. J'ai vu que j'y avais accès, mais je ne savais pas si c'était ça ou pas. Et quand j'ai fait mon expérience, bah, c'était congruent parce que c'était la même chose. Donc, je me suis dit, bon, allez. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui vient, et j'y vais. Donc, ça m'a permis de lâcher complètement. Maintenant, j'avais pris mon temps et j'ai remarqué que les gens qui déjà sont trop pressés, la plupart du temps déjà, ils annulent le rendez-vous. Si on leur donnait un rendez-vous, ils l'annuleraient en fait, ou ils ne viendraient pas. Parce que si c'est trop rapide, on ne peut pas en fait presser une mémoire. Il n'y a aucune urgence à rien. On a tout notre temps. Si on veut mûrir, ça veut dire qu'on a le temps. C'est toute la vie qu'il faut mûrir. Donc, tranquille, on va faire un pas vers la maturité, vers plus de compréhension. Eh bien, chaque chose en son temps, on se prépare en écoutant les MP3, en se documentant, et il faut que l'espace dans lequel on vit nos peurs habituellement ne soit pas investi au maximum. C'est-à-dire pendant qu'on se prépare, on commence à augmenter nos peurs en disant « mais si jamais ça ne marchait pas, oh, je pense que je n'y arriverai pas parce que… » Et que, en fait, on a passé notre temps à se préparer en se disant qu'on n'y arriverait pas, y a moins de chances que ça marche. Mais parce que, quelque part, on a voulu mettre notre énergie quelque part. Si on met dans le souhait que ce qui soit juste se passe, et si possible qu'on ait accès, c'est-à-dire on ouvre et on laisse la place, normalement on y a accès. Ensuite, l'habileté du praticien, ça compte. Sur la possibilité aussi de tracer sa route, même si la personne ne connecte pas très bien, et continuer quand même, ça aide. Parce que
si on se décourage, alors que la personne a du mal au début, ben on peut, la personne peut avoir du mal à connecter au début, puis en fait très très bien. Donc ça, j'ai vu assez souvent des gens qui au début tâtonnaient, n'osaient pas, puis en fait dès qu'on leur permet d'accéder à certains endroits, on les arrête plus, c'est parfait. Bon, faut juste avoir un petit peu l'habitude, un peu de confiance dans le processus. Moi, c'est très rare, c'est très très rare qu'il n'y ait pas une expérience signifiante dans une session. Et si ça arrive, il y a une raison qui est facile à déterminer quand même, c'est-à-dire un excès de conviction. Ça joue, presque c'est un besoin de le croire après, hein, si on veut se convaincre qu'on ne peut pas, il y a quand même une résistance qui s'exprime. Ou la personne a besoin d'apprendre quelque chose du fait que ça ne fonctionne pas. J'ai eu ça il y a quelques temps, quelqu'un qui avait peut-être un ego un peu trop fort. C'était bien qu'il voit que ce n'était pas possible. Mais il faut comprendre, en fait, c'est une habileté qui se développe. Hein. C'est vraiment des compétences qui se développent. Il y a des personnes qui disent, ah, ben, soit on est hypnotisable, on n'est pas hypnotisable. Ça ne fonctionne pas comme ça, du moins pour le travail qu'on fait. C'est comme un de mes enseignants disait, c'est dans la nature humaine de s'améliorer avec la pratique. Et donc, plus qu'on plus qu'on comprend notre rôle, comment ça fonctionne, ça aussi, c'est important. Mmh. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai fait, le live numéro 2, que je partage ma propre expérience de comment ça a fonctionné et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne. Vous pourrez aller écouter ça. Ça aide à transmettre un petit peu les bases. Mais tout ça pour dire que c'est quand la personne, quand c'est l'appel intérieur est juste, hein, que c'est pas juste j'ai vu ça puis je veux faire ça, que c'est vraiment que ça vient de l'intérieur, ça va s'ouvrir parce que c'est un appel intérieur. C'est pas l'ego qui dit moi je veux vivre ça, ça a l'air cool. T'sais. C'est pas du tourisme. Ils ouvrent pas pour le tourisme, ils l'ont déjà dit clairement. Pour le tourisme. Ils l'ont dit clairement, vraiment comme ça. Ouais. On n'ouvre pas pour le tourisme. Il faut une vraie raison thérapeutique. Il faut vraiment souhaiter progresser, s'ouvrir spirituellement. Voilà. Pas pour le tourisme. Il y a Véronique qui dit c'est passionnant et ça me permet de mieux comprendre le chemin et sa difficulté. Ben, tant mieux, Véronique. François dit, arrive-t-on à enlever tous les programmes de la personne? Ben, en fait, c'est pas une question d'enlever des programmes, c'est plus, je dirais quasiment le goût de dire, de comprendre le programme. Si non, on peut dire, de comprendre de l'incarnation. Non, non, non. Juste aimer en vrai. En vrai, ça englobe tout. Aimer vraiment, c'est ça la plus grande des invitations qui soit derrière. Hein. Mm-hmm. C'est aimer tellement qu'on aime même l'expérience terrestre comme elle est. Mm-hmm. Aimer chacun comme il est, aimer comme on est. C'est une énorme invitation à un amour qui ne s'arrête pas aux limites mentales et aux illusions des codes terrestres. Mm-hmm. C'est un amour qui dépasse tout ça. Donc, il n'y a aucun conditionnement qu'on enlève. Il y a juste, on réchauffe tellement que la chaleur à l'intérieur de nous permet de voir différemment. Même aimer la difficulté. Mmh. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas comment ils voyaient ça, par exemple, François, le programme. Moi, j'avais interprété plus comme le contrat d'âme. Mais je pense qu'il y avait peut-être une compréhension différente. Mais bref, on a plein de programmes internes, plein de logiques. Ouais. Disons qu'il n'y a pas de programme. Quand on aime vraiment, ça reprogramme tout sur un autre mode, en fait. Anne dit, c'est tellement beau, ça donne vraiment envie de plonger dans l'hypnose régressive spirituelle. J'ai ma première séance dans une semaine. Mais super! Super! OK, ici, Patricia dit, c'est formidable, mais je ne sais pas si j'oserais. Je suis une peureuse née. J'ai fait 2 TCH, je cherche encore des réponses. En fait, il n'y a pas rien à avoir peur, en fait, parce que la façon qu'on travaille, bon, ça dépend des approches aussi, mais vraiment, c'est dans la douceur, dans le respect et surtout que dans la collaboration avec cette intelligence sage-là, qu'on demande à ce qui se passe, qui est pour le bien-être global, pour la personne, qui soit juste, qui soit bénéfique pour la personne d'accéder. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Je comprends la peur de l'inconnu, ou la peur que ça ne fonctionne pas, ou la peur, mais il n'y a pas de peur à avoir par rapport à l'expérience qui va être vécue. Je ne sais pas comment tu le vois, toi, Isabelle. Je pense quand même que tant qu'on a peur, ça... Tant qu'on a peur, ça veut dire que le fruit n'est pas mûr. Hein. Pour moi, c'est ça. Ça n'a rien de tiré dessus. Au bout d'un moment, au même endroit,
C'est comme quand on est enfant et qu'on se dit, moi, je ne pourrais pas me passer de mes parents. Et puis, quand on est grand, on a vraiment envie de s'en passer. Hein. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on est prêt, il n'y a rien à faire. Ça a mûri, ben, on est prêt à se détacher. Ben, l'expérience, c'est la même chose. C'est-à-dire, au début, ça fait peur, mais pour tout le monde, en vrai, parce que c'est quand même nouveau, c'est inconnu, ça donne un peu le vertige. On se dit, ouloulo, puis donc, on arrive. Enfin. Et puis, au fur et à mesure, ben, après, ça, au même endroit, sans rien faire, juste en se documentant peut-être ou en laissant mûrir, simplement sans rien faire, au bout d'un moment, il y a un élan. Là où il y avait la peur, il y a un élan. Et quand l'élan est là, il peut y avoir des petites peurs, elles ne gênent plus. Mais voilà, il faut se laisser le temps, il n'y a pas d'urgence. Peut-être souvent, la peur, c'est juste un frein qui dit, hey, tranquille. Et ben, c'est bien. Si on respecte ce frein-là, ça veut juste dire que, bah, quelque part, notre juste rythme, c'est prendre plus de temps. Et au bout d'un moment, exactement l'endroit où on avait peur, on aura envie. Et puis voilà. Mmh. Et puis peut-être l'envie viendra jamais, que ce n'est pas pour nous. Il faut vraiment respecter qui on est. Il n'y a pas une méthode pour tout le monde. C'est un chemin. Il y a plein d'autres chemins. Celui-ci, je le trouve passionnant parce que ça permet très facilement, en fait, d'entrer en communication avec le monde de l'esprit et très facilement accéder à des enseignements vraiment sages. C'est un chemin intéressant parce qu'il a une facilité d'accès et une puissance de transformation en peu de temps. Maintenant, il y a plein d'autres chemins, on n'est pas obligé de passer par là. Mmh. On va tous au même endroit, hein. C'est à l'amour intelligent qui nous permet de prendre de la hauteur et de se responsabiliser. Quel que soit le chemin, si c'est ce chemin pour soi, on le saura, et si c'est un autre, on le saura. Pour moi, c'est une question aussi. Une question de confiance à la vie, puis aussi une question de s'informer, parce qu'on peut avoir des peurs, parce qu'on a une croyance par rapport au processus qui n'est pas vraiment juste. Tu sais, s'il y a une personne qui croit que c'est relié au démon, puis là, elle ne le fera pas. Mais qu'en s'informant, ben, ça va aider. Parce qu'il y en a. Ça m'est arrivé une fois qu'une personne qui m'a confié a dit mes parents, qui étaient très religieux, a dit mes parents me disent que c'est relié au démon, est-ce que c'est comme ça? J'ai dit oui, mais dis-le pas à personne. Non, c'est pas vrai. Effectivement, on a dû dénouer ça pour que qu'elle puisse se laisser aller à l'expérience. En fait, des fois, il y a des choses comme ça que c'est juste une compréhension, en fait. Puis de respecter, comme tu dis aussi, son ressenti intérieur. Tu sais, c'est pas, il n'y a rien à forcer, ça, c'est ça. Il n'y a pas à se presser. Il y a un moment sans que c'est pris. Ouais. Peut-on soigner les 5 blessures émotionnelles? Bon, ici, on parle fort de Lise Bourbeau. En fait, j'ai quasiment le goût de dire, le processus va aller là où il y a besoin d'aller. Donc, on ne part pas d'un cadre extérieur, dire, bon, on va aller travailler sur telle blessure. C'est plus, on laisse l'intelligence guider là, s'il y a une blessure qui est à travailler, elle va diriger vers cet endroit-là. Sinon, ouais, mais je pourrais imaginer que quelqu'un puisse vouloir explorer quelque chose par rapport à ces blessures-là si elle provient de ce cadre-là. Je ne sais pas si tu as déjà eu des clients, toi, Isabelle, ou des patients. Non, pas sur ça, mais en fait, concrètement, les blessures viennent de l'horizontalité. Donc, quand on parle des 5 blessures, on parle de la perception horizontale de l'incarnation terrestre. Donc, bien sûr, il y en a plein. On peut même en trouver plus. Voilà, mais c'est une vision des choses. Si on entre sur une autre vision des choses, on ne voit plus les blessures. Là où on croit que ce n'est pas juste d'être abandonné, on comprend que c'est parce qu'on a le cœur fermé qu'on se sent seul. On comprend que c'est une invitation à aimer différemment et autrement et d'autres si quelqu'un s'en va. C'est toujours le mieux. En fait, c'est une construction qui crée la douleur. Je crois que ce n'est pas juste, je crois que je souffre, je crois que je suis comme ça, donc oui, forcément, si je crois que c'est pas juste que l'autre s'est abandonné, c'est pas juste. Si je sais que mon incarnation est passée par un l'orphelinat au début pour que je découvre ce que c'est d'aimer des gens qui sont pas de mon sang, parce que j'avais la conviction que seules les castes pouvaient me donner la possibilité d'être proche de telle ou telle personne, il me faut des vies où je vis j'aime des gens, ils sont pas de ma caste. En fait, tout vient nous enlever nos limites, nos barrières, nos conditionnements. Donc oui, il y a des douleurs si on reste sur l'horizontalité, bien sûr. C'est ça le travail. Ouais. C'est saisir que tout ça, c'est ce qu'on s'est créé. Et il faut le sortir de notre... c'est un carcan, vraiment. C'est hyper douloureux et c'est très difficile de voir autrement tant qu'on croit qu'il faut soigner une souffrance. En fait, on l'a créée, on peut l'enlever. Si on change notre vision des choses, on ne voit plus la souffrance à cet endroit-là. On est fier de soi, on est content de soi. Mais pas mentalement, intérieurement. Notre cœur le sait, le sent.
Et c'est ça la force de l'endroit de connexion au monde de l'esprit. Donc ces douleurs-là et les autres prennent une autre forme à cet endroit-là. Ouais. Il y a Dina qui dit, ça me donne le goût de faire un rendez-vous pour ben, laisse mûrir et si ça, bon, ça t'intéresse, si quelqu'un d'autre qui écoute ça. Trois ans. Comment? Non, je plaisante. Faut laisser mûrir 3 ans. Non, Si ça vous intéresse, sur le site web de l'IHS, d'ailleurs, il y a les praticiens certifiés. Donc, vous pouvez aller voir, trouver les praticiens qui sont certifiés. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux autres. Et le processus de certification est vraiment très rigoureux. Hein. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient faire une petite étude de cas. C'est quelque chose de bien, bien solide. Donc, vous pouvez faire confiance. Je regarde ici la mort. Bon, il y a des commentaires, je ne ferai pas tout apparaître là. Est-ce qu'on retrouve toutes les personnes ici? Une question, est-ce qu'on retrouve toutes les personnes qu'on a rencontrées dans toutes nos vies antérieures? Ben, on va retrouver. Je ne sais pas si quand tu dis on retrouve toutes les personnes, on en a rencontré des gens. En fait, on va retrouver celles qui font partie de notre groupe d'âme, d'une certaine façon, de... Et groupe d'âmes, je pense qu'il y a différents groupes. Hein, de l'autre côté, je pense qu'il y a un groupe d'âmes plus proche, qu'on se réincarne de vie en vie. Il y en a que ça va être plus élargi un petit peu. Donc, ça dépend. Donc, je dirais pas qu'on rencontre tout le monde qu'on a déjà rencontré, mais les personnes significatives, surtout lesquelles avec on a un contrat d'âme, on risque de les rencontrer à nouveau. Merci beaucoup de partager vos connaissances, ça fait plaisir. Evelyne Pellerin, puisque le temps n'existe pas et que c'est sans doute des vies parallèles, pourquoi pas de vie dans notre futur? Effectivement, il y en a qui font travail comme ça. Je sais que Brian West a fait ce type de travail-là. Personnellement, c'est pas ça qui... Moi, j'ai exploré un peu par moi-même, j'ai testé, j'ai fait des expériences. Mais ça n'a pas été révélateur énormément sur le plan thérapeutique, évolutif de la personne. Mais, encore une fois, on est au début de ce champ-là, qui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de façon thérapeutique de travailler avec ça, mais à l'IHS, ce n'est pas notre modalité principale d'y aller avec les vies futures. Mais si c'est juste que c'est ça qui se passe, c'est ça que la personne va accéder. Hein, parce que quand on travaille, ça c'est important de le mentionner, même si on fait la demande au sujet d'accéder à une vie antérieure, ben, la personne va accéder à ce qui est juste pour elle. Ça peut être contact avec un défunt, ça peut être même un guide spirituel, ça peut être une expérience métaphorique et ça pourrait être une vie future, mais c'est pas notre modalité de base. Super, Anne dit, je me prépare avec les MP3 Jean-Charles, c'est très doux. Ben, tant mieux, Anne. D'ailleurs, pour ceux et celles qui font des séances avec les praticiens de l'IHS, de façon générale, vous allez avoir accès à des MP3 de préparation pour vous entraîner à entrer dans cet état-là, puis pratiquer aussi vos capacités de perception avec les yeux de l'esprit. Donc, soit ça soit ceux qui sont enregistrés avec ma voix ou ceux de la voix du thérapeute, du praticien, il y a les deux possibilités. Bon, je vais juste voir qui est relié à nous, qu'est-ce qu'on peut faire. Merci pour la réponse. J'aime vos explications. Bon, ici, Véronique, il faut enlever la souffrance et pas la soigner. En fait, il faut enlever ce qui a généré la souffrance. C'est-à-dire, une pensée génère, une croyance génère la souffrance. C'est la croyance, quand on la lâche, qui libère la souffrance. Donc, on ne traite pas la souffrance à proprement parler. On libère ce qui l'a généré. Et on enlève le problème, quoi. Le problème, c'est notre interprétation du monde qui génère la souffrance. Ouais. Et dernière question, à moins que vous en ayez d'autres. Ginette a dit, j'ai trouvé le nom de praticien dans mon secteur, mais en cherchant ses coordonnées, il n'est plus actif. Peut-on faire des régressions évolutives à distance? Est-ce aussi efficace? Oui, effectivement, c'est possible dans la mesure qu'on a une bonne connexion et que vous êtes bien, que vous avez un micro. On suggère un micro-casque de façon générale pour que ça soit plus clair. Parce que ça arrive, puis Isabelle, tu as une séance dernièrement. Justement, en fait, si on n'entend pas bien, c'est vraiment difficile d'accompagner. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Difficile. On ne peut presque rien faire. Quoi. Mais bon, ouais. Ça arrive.
parfois. Il faut vraiment que la connexion soit bonne, que le micro soit bon, que le casque soit bon, préparer ça avant. On le dit, hein, mais les gens ne font pas forcément les tests. Et puis, il se trouve aussi que la connexion monde de l'esprit peut diminuer un peu la qualité de connexion de notre Internet. Ça arrive aussi. Donc, ça fait partie des choses qui arrivent. Hein. Donc, il faut vraiment partir avec un bon niveau de connexion pour qu'au pire, si ça se dégrade un peu, ce soit quand même très bien. Et ça, c'est vraiment important parce que la distance... Ah, si on n'entend pas, on n'accompagne pas bien, quoi. C'est pas un plaisir, ouais. Hein, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais ça fonctionne très bien, Ginette, vraiment. Même on donne des formations même à distance maintenant. Depuis le COVID, ça nous a permis de tester. Et il y a même des personnes qui préfèrent faire des séances à distance qu'en personne parce que, bon, d'un, tu es dans ton environnement, tu es chez toi, tu es dans un endroit sécuritaire, confortable, familier. Et aussi, il y a des personnes, le fait d'entendre le praticien dans les oreillettes, bien, c'est comme si ça crée l'effet d'entendre la personne à l'intérieur de ta tête. Donc, c'est plus facile pour certaines personnes parfois d'arrêter de penser puis juste suivre. Donc vraiment, ça faisait partie de mes croyances, très sincèrement, avant le COVID, que c'était peut-être moins efficace un petit peu à distance, alors que pas du tout. Tant qu'on a une bonne connexion puis on a un bon équipement de base, là, d'y aller, tu sais, si vous faites des séances à distance, assurez-vous d'avoir un micro-casque à la base. Comme ça, vous êtes certain, parce que sinon, ça ne veut pas dire que le son ne peut pas être bon, mais statistiquement, ça risque d'être un petit peu, surtout quand on ne parle pas fort. Hein. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on change notre voix quand on régresse, hein, on parle moins fort, c'est vrai. Et par contre, moi, je trouve vraiment la distance très, très confortable. Beaucoup de gens qui travaillent avec moi à distance aussi pour le fait de stresser pour trouver l'endroit, de stresser par la route, par les choses toutes simples, hein, de trouver une place, tout ça. Et après, d'être obligé de partir parce que mine de rien, une fois qu'on a vécu pendant 2 heures, en gros, une séance où on a vraiment dilaté notre conscience, elle ne fait pas le chemin inverse en 10 minutes, quoi. C'est-à-dire, on l'a dilatée, elle reste un bon petit temps dilatée. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans un petit état avant de prendre sa journée, quand même. Hein. On prend notre journée pour nous, pour être posé, et il ne faut pas conduire immédiatement après. Enfin, donc, si on est chez soi, on enlève plein de petits sujets d'organisation. On peut même faire une sieste après. Moi, la plupart des patients avec qui je travaille à distance, ils dorment après. Ils font un soin, puis ils restent dans l'énergie de guérison, là, et hop, ils dorment. Et puis voilà, puis au moins, ils sont chez eux, ils n'ont pas besoin de bouger. Ma position psychique est totalement avec eux. Donc, la distance, elle est vraiment qu'illusoire. Psychiquement, on est complètement ensemble. Et même certains patients pourraient presque être contre ma présence physique quand on est en cabinet, alors que là, je suis comme plus là. Je suis avec eux sans être là. Et du coup, ils sont vraiment dans leur expérience et avec les leurs. Et moi, je suis à peine visible. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup la distance. C'est très agréable. C'est vrai? Super. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. François, il dit avec toi, Isabelle, ce que j'entends est agréable au cœur de tout l'être humain. Ça fait plaisir. Très heureux de ça, François. Demain à distance, ma première expérience. Véronique, écoute, je te souhaite une belle expérience. Et sur ce, les amis, je pense qu'on va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir écoutés et pour vos questions. Merci, Isabelle, aussi. D'avoir accepté de passer ce beau moment ensemble. Et comme je le mentionne, si vous avez quelques questions que ce soit sur nos formations, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire un grand plaisir de répondre à quelques questions que vous ayez. Allez, au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.